Je suis contente de rejoindre ce conseil municipal. J'ai déjà côtoyé plusieurs d'entre vous dans des groupes de travail, que ce soit dans des bureaux de vote, dans des rencontres autour de la solidarité, du numérique ou sur des sujets financiers, du fait de mon poste de conseillère départementale. J'en ai aussi croisé dans la vie quotidienne et je les salue. Je suis heureuse de rejoindre l'équipe de Talents en Transition au sein de ce conseil municipal et j'espère que nos débats seront riches et courtois, même si c'est dans l'opposition. Je vous remercie. Ils doivent être riches et courtois, surtout quand on est dans l'opposition. Vous verrez, ma chère collègue, que ces débats sont en général, à quelques exceptions, très riches, ça c'est sûr, pas comme les finances parfois. Et courtois, ça c'est incontestable. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue au nom de l'ensemble du conseil municipal. Et un très bon travail. Vous êtes maintenant installés. Nous allons donc pouvoir reprendre l'ordre du jour plus classique. Et donc, je reviens donc à la présentation que je souhaitais vous faire sur le plan de sobriété de la ville de Talence. Bien sûr. Monsieur le maire, c'est très intéressant. Vous allez présenter donc un plan de sobriété. Mais moi, j'aurais bien aimé que vous nous avertissiez de façon à ce qu'on puisse donc avoir un débat constructif sur ce sujet, ce qui n'est pas le cas. On va découvrir des diapositives, je présume. Voilà, donc c'est bien. On va peut-être pouvoir poser des questions, mais il n'y aura pas vraiment un débat de fond dans la mesure où nous n'avons pas été avertis, nous n'avons même pas les documents que vous allez présenter. Alors, voilà. ma chère collègue, ce sont des planches, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été terminées très tardivement par les services. C'est un produit, surtout des services que je vais vous montrer. Deux petites choses. Ça ne nous empêche pas d'avoir un débat ce soir, et surtout, les modalités qui sont présentées ce soir sont un point de départ ou un point d'étape à un travail qui ne va d'ailleurs ne pas se faire uniquement en conseil municipal et sur lequel l'opposition, donc, dans un cadre à débat riche et courtois, pourra bien sûr intervenir ce soir, mais j'ai envie de dire bien au-delà de ce soir. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de problématique particulière. Rien n'oblige à présenter ce plan-là. J'ai souhaité qu'on le fasse de façon républicaine pour qu'on en débatte aujourd'hui. Les planches ne vous ont pas été transmises, il n'y a pas de malice, hein. En général on vous les transmet avant, mais là c'était pas possible pour ce cas-là. Par ailleurs, je voudrais aussi vous dire que ce débat, ces planches ont été discutées dans le cadre d'un groupe de travail, énergie, piloté par Madame Isabelle Balligan, auquel vous n'avez pas souhaité, si je me souviens bien, participer en début de mandat. C'est dommage, mais c'est tout, pour moi, tout l'intérêt de ces groupes de travail qui ont proposé un certain nombre de pistes et qui donc seront chargés là-dessus. Donc si vous souhaitez, je dis vous, c'est l'ensemble de l'opposition, participer à ce groupe de travail, on vous accueillera avec grand plaisir. J'avoue que je valide ce que vient de dire Madame la Sénatrice, et personnellement, au nom, en tant qu'élu communiste, si j'avais su, j'aurais également proposé une motion telle que ça a été fait par le Parti communiste de Bordeaux. Donc j'avoue que je suis un peu surpris, c'est dommage. Donc on y travaillera, mais j'avais aussi une motion sur l'énergie. Je voudrais juste vous rappeler, mes chers collègues, il n'y a pas de vote, hein. C'est une présentation avec des choses très précises, c'est un point d'étape, et c'est le point d'étape, enfin je veux dire, je pense que la transition, la sobriété énergétique, la sobriété en eau d'abord mérite des débats parfois très techniques, complexes, sur lesquels l'ensemble des bonnes volontés et de l'intelligence collective doit primer sur toute autre forme. Donc ce n'est pas un vote, ce n'est pas une délibération sur table, c'est une présentation, vous allez voir, et il y a des choses importantes qui vont vous être présentées. On a juste pris, en tout cas j'ai pris ce pli depuis le début de ce mandat, de vous présenter très régulièrement ces points d'avancement, rien ne m'y oblige, c'est d'un point de vue de transparence, d'un point de vue de partage avec vous, et encore une fois, tout le travail ne se fait pas en conseil municipal, le conseil municipal vote débat et vote des délibérations, et le groupe de travail, je vous confirme ma chère collègue, c'est bien un groupe de travail et non une commission, eh bien, peuvent
être amenés à faire des choses comme vous le faites par exemple dans d'autres groupes de travail. Je pense notamment au groupe de travail déplacement dans lequel il y a un travail au long cours qui est engagé et dans lequel vous participez, donc dans lequel vous êtes informé en amont. Monsieur le sénateur. Oui, ce qu'a dit Monique Dimarco me fait penser et tous ceux qui sont au Conseil de métropole m'ont entendu le dire proposer à 3 ou 4 reprises au président de la métropole, parce que c'est un sujet naturellement important, le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut y faire, et d'inviter, en tant que président de la métropole, qu'il invite un climato-sceptique, qu'il invite un spécialiste sensibilisé par le réchauffement climatique, mais qui veut aller dans le développement quand même continu, et un autre qui veut lutter contre le réchauffement avec une régression. Ça fait que 2 ans que je propose, j'ai arrêté parce que ça devient un vieux pieu, comme disait mon manager. Alors restons sérieux. Monsieur le maire, vous pourriez organiser ici un débat sur ce sujet-là, l'énergie, où on ait le temps, peut-être même un sujet au cours d'une réunion spéciale, par rapport à ces différences. Voilà, ces opportunités. Et encore une fois, c'est le point de départ d'un travail sur lequel les bonnes volontés sont les bienvenues. D'abord, de vous rappeler à l'ensemble des personnes, puisqu'il y a le conseil municipal, mais il y a aussi le public, ce qui a déjà été fait, vous allez le voir derrière moi, sur un certain nombre de points, et de rappeler évidemment 2 mesures fondamentales dans la consommation énergétique qui ont été prises à table. La première était en 2018 avec l'extinction de l'éclairage nocturne de 1h à 5h du matin, à l'exception du couloir du tramway pour lequel cette extinction est réduite dans une période notamment. Alors mes chers collègues, si je parle et que vous ne m'écoutez pas, on va peut-être pas. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Donc 1h à 5h du matin, sauf dans le corridor du tramway, sur lequel cette extinction est plutôt sur une plage de 2h, 4h, notamment pour permettre les retours tardifs ou les départs tôt. Et puis, en 2020, et je veux ici saluer la décision qui a été prise et mise en œuvre par Jean-Jacques Bonin et par ma première adjointe, à l'époque il n'était pas première adjointe, avec l'assentiment de l'ensemble du groupe municipal d'être l'une des premières villes, si ce n'est la première en tout cas de cette taille-là, à se doter de 100% d'un éclairage LED de notre éclairage public. Je dis 100%, la vérité doit être autour de 99,5, puisqu'il y a quelques points lumineux qui restent et que, pour lesquels on attend certains travaux de voirie. Ça a consisté à changer près de 3700 points lumineux, avec d'autres choses qui ont été faites également, donc qui vont être mises en œuvre. Le changement progressif de nos éclairages intérieur également par des LED, c'est fait au fur et à mesure de la rénovation. Le dernier exemple, c'est la salle François Mauriac, par exemple, qui a été équipée de LED cet été. Et puis la mise en place d'un plus grand nombre de capteurs intérieurs de présence, notamment pour les couloirs, notamment pour les toilettes et autres points sur lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir de l'éclairage en totalité. Je dis qu'on a bien fait juste avant passer sur la suivante, parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup de villes, quelle que soit leur étiquette politique, rejoindre Talence dans ce mouvement. À l'époque, le prix de l'électricité n'était pas du tout celui-là. Aujourd'hui, le prix et le délai pour changer les LED, c'est pas tout à fait le même. Et je pense qu'on peut se féliciter collectivement d'avoir fait ce choix auquel l'opposition s'était d'ailleurs associée à l'époque. Nous allons également rappeler tout ce qui a été fait pour optimiser les sources de chauffage, avec notamment la mise en œuvre d'une chaufferie biomasse pour la salle Boris Dion, qui a un peu plus d'une dizaine d'années. Là aussi, il s'agit de remercier ce qui a été fait sous le mandat de mon prédécesseur, aujourd'hui sénateur, M. Cazabonne, et le stade Pierre-Paul Bernard que l'on fait également. Et puis, de vous rappeler également que près de 25% des chaudières ont été renouvelées avec le renouvellement de nos équipements de chauffage.
chauffage pour en limiter la consommation. Qu'est-ce qui a été fait également ? La mise en place d'une démarche de formation des élus en partenariat avec Aclimatera, évidemment. Nous avons créé un poste au tout début de ce mandat, particulier, rattaché auprès du directeur général des services, et qui a notamment une mission donc, de mairie exemplaire, donc, c'est-à-dire tout ce que l'on peut faire à l'intérieur de la mairie, mairie et CCAS, donc avec la formation des agents et l'implication avec la charte mairie exemplaire, avec des actions visibles, on va dire, comme la distribution de gourdes, mais aussi le geste du quotidien avec une vraie formation qui est assurée en interne par l'un de nos agents. Et donc, vous voyez la gourde, ces éléments de gourde qui avaient été votés par les jeunes du conseil municipal des enfants l'année dernière et pour lesquels on devait doter donc, les CM1 et CM2. Et vous le savez, avec Patrick Duarte, nous avons décidé de l'étendre à l'ensemble des élèves du CP au CM2. Et nous avons distribué cette année une gourde à tous les CP, puisque maintenant, toutes celles et tous ceux qui étaient dans les classes auparavant, sauf ceux qui sont arrivés et qui ont une dotation particulière, eh bien, ont été dotés d'une gourde pour limiter la consommation en plastique. Qu'est-ce qui a été réalisé ? Les chiffres. On parle souvent de chiffres et d'évaluation ici. Eh bien, vous l'avez vu dans notre excellent quotidien du Sud-Ouest, que je ne pouvais pas citer, eh bien, le coût de l'énergie par habitant est atteint à Lens le moins cher des 28 communes de Bordeaux Métropole, avec 27 euros d'énergie et par habitant sur Bordeaux Métropole. Un chiffre, peut-être le plus visible, mais qui est tellement symbolique, le passage en LED, qui nous a permis de diviser par 10 notre consommation énergétique. On est passé, vous le voyez, de 3 600 000 kW à 330 000 kW. Donc un gain net d'énergie, puisque le débat n'est pas tant dans le coût de l'énergie, mais plutôt dans la sobriété, c'est-à-dire comment on fait pour moins consommer d'énergie, quel que soit le niveau de cette économie. Je voudrais également vous dire qu'il y a des efforts plus techniques qui ont été discutés, là aussi, dans le cadre du groupe de travail, avec la gradation. Le passage en LED, il nous permet de piloter point lumineux par point lumineux, zone par zone. Et donc, on a appliqué, entre 2020 et 2021, une gradation supplémentaire. Qu'est-ce que c'est ? Ben, on part d'une base 100 au moment de l'éclairage. Même d'ailleurs, on monte progressivement, puisque vous le savez que d'un point de vue de la biodiversité, les phases de crépuscule et d'aube sont les plus critiques, notamment pour les insectes. Eh bien, on baisse jusqu'à l'heure d'extinction, pour lequel on n'est quasiment plus qu'à 5 ou 10%. Je regarde Sophie, je ne sais plus où Jean-Jacques. On est à 5 ou 10%, je crois. 10% de la puissance totale, ce qui fait qu'en fait, même quand c'est éteint, on consomme moins avant, au moment de la nuit que lorsqu'on a commencé à allumer. Aujourd'hui, ça c'est pour le constat, c'était pour rappeler qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites par le passé et qu'on ne partait pas d'un point zéro, bien au contraire, et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est des actifs des journaux indépendants. Plusieurs choses donc sur consommer moins, avec une première action, c'est agir sur nos bâtiments. Avec, vous le savez, on a été une commune pionnière en la matière en se dotant d'un schéma directeur des bâtiments, mais un schéma directeur énergétique, c'est-à-dire une réflexion sur le nombre de mètres carrés dont on dispose et à chaque fois une réflexion sur qu'est-ce que peut être cette adaptation de ce schéma pour lequel il va falloir incontestablement accélérer. Et donc pour l'accélérer, évidemment, trouver des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires. Nous lancerons, nous l'avons déjà fait par le passé, mais on a un patrimoine qui évolue très régulièrement, et une partie a déjà été rénovée. Je rappelle un exemple, on parlait des écoles. La rénovation de Paul Lapi qu'on est en train de faire, par exemple, contribue à baisser la consommation énergétique. Nous allons lancer un nouvel audit énergétique de nos bâtiments, dont la fin est prévue pour le début de l'année prochaine. Enfin, nous avions recruté 2 techniciens bâtiments supplémentaires. Ça a été fait
en 2022 et nous allons recruter un technicien énergie supplémentaire. C'est une compétence plutôt rare à trouver, mais on va la trouver, évidemment, qui va nous permettre d'abord un suivi beaucoup plus fin de notre prestataire, notamment notre prestataire chauffage, avec un certain nombre de points, des diagnostics, et puis également, allez, pourquoi pas, on a souvent discuté avec vous ici à la recherche des fameux certificats d'économie d'énergie qui nous permettent d'avoir quelques sous pour participer à cet effort énorme d'investissement pour notre collectivité. Agir sur nos bâtiments, c'est aussi travailler sur les extérieurs pour rafraîchir et chauffer. On a commencé depuis plusieurs mois maintenant le développement des cours Oasis avec des choses qui fonctionnent, qui sont adaptées. Je vais reprendre l'exemple de Paul Lapi, qui a été une des écoles, par exemple, que l'on vient de refaire. Mais vous savez, Madame Rondeau porte un plan de végétalisation de 100% de nos cours d'école et 100% de nos crèches. Également, la végétalisation des murs, et puis éclaircir les couleurs de revêtement extérieur de manière à éviter d'en faire des îlots de chaleur ou en tout cas d'en limiter l'impact pendant l'été. Je tiens aussi à préciser qu'avec les équipes de Bordeaux Métropole, un certain nombre de nouveaux choix de coloris pour le bitume, lorsqu'il est installé pour les trottoirs, on aura un bitume beaucoup moins sombre qu'auparavant, ce qui va permettre d'éviter les îlots de chaleur, en tout cas les éviter, en tout cas les limiter. Agir sur nos bâtiments, c'est évidemment adopter les consignes d'extinction des lumières pour toutes les salles municipales, avec des choses à faire, on a parlé de capteurs tout à l'heure. On va poursuivre et amplifier le changement des chaudières pour limiter nos consommations, et puis améliorer l'isolation des bâtiments les plus énergivores, sur la base notamment de l'audit énergétique qui sera rendu en début d'année prochaine. Agir sur l'éclairage, c'est continuer à agir sur l'éclairage public avec la poursuite de la réduction de l'éclairage dans l'éclairage public, c'est-à-dire moins de lampes allumées, tout en garantissant évidemment des conditions de sécurité pour toutes celles et tous ceux qui empruntent l'espace public lorsque celui-ci est éclairé, et on va continuer à accélérer la modulation de l'intensité lumineuse la nuit. Agir sur l'éclairage avec des choses très précises aussi, c'est l'extinction de l'éclairage sur les bâtiments publics. Un exemple, le bâtiment Pexoto aujourd'hui, la décision a été prise, en tout cas est prise, de cesser cet éclairage à partir de 22h. Désormais, certaines villes, j'ai vu la ville centre notamment qui est un peu plus tard, chacune des villes regarde par rapport à son patrimoine, nous éteindrons désormais ces éclairages des bâtiments publics. Ça vaut aussi pour l'église, par exemple, ou le château de Thouars, sauf pour les 4 événements pour lesquels je vous rappelle également que l'éclairage public est maintenu allumé toute l'année pour les soirs de fête de la musique du 14 juillet, de Noël et de Nouvel An. Aucun éclairage ne sera proposé durant la saison d'été. Parce que la période va arriver, bah les éclairages de Noël sont aussi concernés. D'abord, il n'y a aucune installation de décoration supplémentaire sur cette année. Il n'était pas question de renoncer à la magie de Noël. Je vous rappelle également que Talence a fait le choix depuis de très nombreuses années n'avoir recours qu'à très majoritairement des éclairages basse consommation. Nous allons réduire de près de 15 jours la période d'éclairage. On est bien sûr là plus dans quelque chose de symbolique compte tenu du poids énergétique que cela a, mais tout le monde doit montrer l'exemple, et puis les petits ruisseaux font les grandes rivières. Notre période d'éclairage de Noël sera réduite, donc, et sera donc du 9 décembre au 2 janvier. Par ailleurs, elles s'interrompront en même temps, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, en même temps que les bâtiments publics, c'est-à-dire fin de l'éclairage. Donc on aura, c'est aussi ça l'avantage de la LED, de pouvoir distinguer l'éclairage public de la décoration de Noël. Nous éteindrons les éclairages de Noël à 22h, sauf les soirs de Noël donc, et du premier de l'an. Nous avons eu une réunion très récente avec Madame la Présidente de Talence Événements pour lui demander aussi d'agir sur l'événement que vous connaissez bien et qui rassemble plusieurs milliers de personnes, un public très familial, très talencé, qui est l'événement de Talence en Lumière. Dès cette année,
eh bien, nous allons pouvoir avoir une manifestation qui est 100% basse consommation. Il y avait quelques points qui étaient encore un peu trop énergivores, donc l'ensemble des décors qui seront installés seront basse consommation. Par ailleurs, nous allons réduire de 30 minutes la manifestation tous les jours et d'une heure et demie le dimanche, puisque je vous rappelle que la manifestation s'arrêtait à 21h30 pendant 3 jours. Elle s'arrêtera à 21h le vendredi et le samedi soir et à 20h le dimanche, ce qui représente une période d'éclairage de moins 25%. On va économiser un peu plus de 25% d'énergie consommée pour cette manifestation. Notre action de sobriété, c'est également agir sur la consommation d'eau, avec la mise en place de systèmes intelligents, dont le déploiement de capteurs de pluie pour limiter les arrosages et rationaliser nos consommations. Je vous rappelle que tous ces points ont été détaillés et présentés dans le cadre du pacte Plume Eau. Nous avons été la première collectivité, grâce à un travail de co-construction avec les citoyens, avec les élus de tous bords et des professionnels, de continuer le travail commencé par le pacte Plume pour les bâtiments, mais cette fois-ci sur l'eau, avec la rationalisation de nos consommations. Et puis nous rechercherons des nouveaux approvisionnements en eau non potable pour les arrosages. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est un point sur lequel il va falloir évidemment beaucoup d'investissements. Nous arrêterons, c'est déjà en grande partie le cas, mais l'arrêt des pelouses l'été, voilà, elles vont griller, mais c'est comme ça et c'est ainsi. Les fontaines, on n'en a pas beaucoup, mais seront arrêtées la nuit, sauf, elles l'étaient déjà, mais on va étendre la période d'extinction, sauf dans le cas où les températures dépasseraient 25 degrés tout au long de la nuit pour faire face aux périodes de forte chaleur et de canicule et pour permettre d'apporter des vrais points de rafraîchissement. Agir en interne. La température cible dans les bâtiments n'a pas besoin d'être changée puisque à Talence, nous appliquons depuis plus de 10 ans la plupart des recommandations qui ont été proposées, notamment la température de 19 degrés dans les bâtiments publics. Il y a tout un tas de choses. En fait, aujourd'hui, ces températures cibles sont déjà appliquées dans les bâtiments. Alors évidemment, il y a des choses qui vont être regardées installation par installation, d'où le recrutement du technicien énergie en plus du directeur, mais cette température cible aujourd'hui, on a eu, et d'ailleurs la température, le résultat c'est qu'on est la commune qui consomme le moins par habitant, hein, c'est pas par hasard, malgré notre patrimoine exceptionnel en termes de nombre de mètres carrés. Pour les déplacements, la mise en place d'un nouveau plan de déplacement des agents, puisqu'il y en a un qui existe déjà, et donc nous avons demandé au directeur général des services ainsi qu'à madame la directrice du CCS de regarder les nouvelles modalités de plan de déplacement des agents en lien évidemment avec l'offre métropolitaine. Nous allons renouveler plus rapidement la flotte de nos véhicules en recherchant des éléments d'optimisation, donc pour baisser le nombre de véhicules qui seront affectés, notamment en développant les systèmes de poules. Et puis nous allons renforcer notre flotte vélo pour pouvoir permettre le déplacement quand c'est là et possible, évidemment, entre les bâtiments et entre les sites de manière complètement décarbonée. Lutter, c'est aussi agir en interne. C'est une pollution dont on parle très peu souvent, mais qui est bien, bien plus importante que celle des éclairages de Noël. C'est la pollution numérique. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en train, on fait rentrer la lumière, ce qui va permettre d'économiser la lumière. Justement, il faut lutter absolument contre la pollution numérique, le nombre de mails, le nombre, tout se fait aujourd'hui, ce qui permettra d'ailleurs de renforcer un peu les liens humains, hein, en se parlant au téléphone ou simplement physiquement, à condition que le Covid, évidemment, nous laisse un peu plus tranquilles. Mais il faut impérativement limiter le recours au numérique. Cela passe aussi par l'extinction automatique de l'ensemble des équipements informatiques, la nuit, évidemment, en dehors de certaines ressources ou serveurs. Tout cela sera fait avec les équipes de Bordeaux Métropole. Enfin, nous continuerons à chercher des circuits courts pour limiter les livraisons et donc la décarbonation des déplacements. Ça vaut pour la restauration municipale, mais pas simplement. Évidemment, il faudra pour cela que les marchés publics nous permettent de favoriser plus les circuits courts. On y arrive parfois. Un exemple, ce sont les dictionnaires que l'on remet désormais au CE1, que l'on arrive à, puisque la loi permet d'acheter ça auprès des librairies, donc ce sont les librairies Georges qui nous fournissent. C'est un exemple très concret et que l'on va essayer d'étendre, et en plus qui fera du bien à l'économie locale. Agir sera aussi avec nos partenaires et usagers des salles municipales, avec
notamment Madame Salé, qui va devoir rappeler des consignes d'utilisation rationnelle des ressources. Je dis Madame Salé, mais c'est pour les associations aussi qui sont dépositaires de locaux à l'année, comme le CAJ, comme l'UDI Loisirs, comme d'autres, le centre social. Voilà, avec la mise en place d'un guide des bonnes pratiques, moins éclairé, fermer les portes, moins chauffé, et favoriser les déplacements décarbonés. Moins consommer, c'est bien. Mieux produire et plus produire, c'est encore mieux. Avec l'optimisation et la production, l'objectif à terme de produire notre propre énergie, sur lequel évidemment on ne va pas faire ça tout seul, hein, comme toutes les autres villes, avec le développement des solutions, notamment de chaudières biomasse, la recherche d'implantation de panneaux photovoltaïques, là où c'est possible, d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue aussi de la rentabilité de l'équipement. Tout ça nécessite des études qui ont déjà été menées pour un certain nombre d'équipements et qu'on est en train de continuer. Évidemment, le point clé sera la capacité de Bordeaux Métropole de répondre à nos demandes, très maintes fois répétées auprès de Madame la Vice-Présidente, d'accélérer la mise en œuvre du réseau de chaleur. Je rappelle que le réseau de chaleur existe à Thouars, qu'à quelques hectomètres de là, suite aux différents accords qui ont été trouvés avec Domo France, il faudrait quelques hectomètres de tuyaux, et quand je dis hectomètres, c'est même un peu moins, pour relier la piscine, pour relier tout un tas de bâtiments municipaux qui sont situés à quelques encablures, et commencer à remonter jusqu'au centre-ville. Et donc ça, vous le savez, les réseaux de chaleur, c'est de la compétence exclusive de Bordeaux Métropole, pour laquelle nous avons eu beaucoup de réunions, et pour lesquelles j'espère que la rapidité observée sur d'autres villes sera la même pour la nôtre. Et puis, nous rechercherons des solutions en géothermie pour essayer de produire tout cela. Voici la fin. Donc vous voyez qu'il y a des éléments points. Moi, ce que je vais rebondir sur la première prise de parole de notre collègue. Il y a des choses qui partent tout simplement d'un profil qui est le nôtre, qui est une situation plutôt avantageuse, on va le dire comme ça. Je vais juste vous donner un chiffre. Si aujourd'hui nous n'avons pas encore d'éléments précis de la part du gouvernement sur l'éventuel bouclier tarifaire qui viendrait protéger les collectivités territoriales, nous attendons des points très précis, ceci concernant la ville de Talence, toutes les collectivités territoriales. Pour vous donner un ordre d'idée, à la même consommation, si on avait la même consommation, la facture de la note d'électricité passerait de 1 500 000 euros, c'est grosso modo la somme, à 4 500 000 euros. 3 millions d'euros, c'est les trois quarts du budget que l'on alloue directement au CCS. C'est ce qui avait été pris par l'État dans le cadre du pacte, comment s'appelait-il, non, pas le pacte de Cahors, celui d'avant, celui de François Hollande. Le pacte, je ne sais plus comment il avait appelé ça. Enfin bref, la diminution de la DGF par le gouvernement. Oui. Enfin, la contribution par les collectivités locales de la dette publique, puisque celle de l'État a continué à augmenter. Et donc c'était à peu près 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est 90 fonctionnaires de catégorie C sur une année chargés. Et donc, il est évident que ce mur que l'on a ne peut pas rester sans une réponse gouvernementale. Je suis républicain et donc j'attendrai avec beaucoup d'attention et beaucoup d'exigence les annonces gouvernementales en la matière pour nous permettre justement de passer ce cap, étant entendu, je le rappelle, que cette année, nous avons été très contents de voir que le point d'indice avait été augmenté de 3,5%, mais contrairement aux hôpitaux, cette mesure n'a pas fait l'objet d'une compensation de l'État sur la DGF, puisque c'est donc à la ville et au CCS de trouver ses propres ressources. On peut toujours considérer que les collectivités ont de l'argent, ce qu'elles ont naturellement, puisque constitutionnellement, elles ne peuvent pas emprunter pour fonctionner, à la différence de l'État. Mais il est évident qu'on attend, en tout cas pour ce qui me concerne, des gestes forts, précis et durables. On est dans une crise qui va durer, à mon avis, très longtemps, structurellement, qui va nous obliger à aller plus vite. Mon objectif ce soir était donc de vous présenter un certain nombre de mesures qui sont pour certaines assez conformes à ce qui est observé ailleurs, et puis d'autres aussi qui prennent appui sur nos points forts. Et donc, évidemment, ces mesures, eh bien, on pourra, dans un cadre de conseil municipal ou dans le cadre du groupe de travail énergie, en voir la concrétisation, en vous rappelant par exemple que sur les deux dernières années, notre consommation, indépendamment de la fermeture de la piscine, a baissé.
Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui une consommation qui baisse en électricité comme en gaz, mais il est urgent d'aller plus vite, notamment dans un contexte où on pourrait ôter l'électricité aux entreprises et aux personnes. Et donc c'est important évidemment que les collectivités soient pleinement exemplaires en la matière. C'est un mouvement durable et donc évidemment il y aura des concrétisations d'un point de vue monétaire. L'adjoint aux finances n'est pas là ce soir puisqu'il est à la présentation de la gare de la Médoquine. Mais évidemment il faudra que nous puissions dégager des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros pour aller plus vite en investissement, pour nous permettre d'aller plus vite dans ce plan ambitieux et donc pour nous permettre de continuer à investir massivement dans la sobriété sous toutes ses formes et pas simplement énergétique. Voilà mes chers collègues. Madame Ramy. Alors on y est. Alors je vais vous le dire avec toute la courtoisie possible, mais ce plan de sobriété m'agace énormément. Ça fait un mandat et demi que nous alertons, que nous faisons des propositions. Rien n'a été fait. Pour moi, c'est un pseudo. Vous parlez d'accélérer un schéma directeur énergétique. Excusez-moi, j'en ai pas vu le bout d'un. Vous avez utilisé le levier de l'éclairage public. Bien, ok. On avait été l'opposition assez force de proposition là-dessus, mais il s'agit du poste de dépense le moins élevé. Le poste de dépense le plus élevé pour faire des économies, que ce soit financière ou énergétique, c'est le bâtiment. C'est la rénovation du bâtiment. Vous n'avez rien engagé dans une rénovation qui soit suffisamment exigeante, exemplaire. Prenons le cas de l'école de musique et de danse, où on a pas mal échangé sur le précédent mandat. Rien n'a été fait pour intégrer des énergies renouvelables. C'était toujours le poste sur lequel on disait « Ben non, on ne peut pas, on a utilisé tout le budget, on a dépensé le budget. » Si. Si, ah ben si. Ben, on y va. Donc moi, je suis en colère. Je suis en colère d'arriver maintenant dans le mur d'avoir 10 ans, 15 ans de retard sur ce sujet-là. On va s'en occuper maintenant, ok, avec des effets qui seront à quel moment? Vous pouvez souffler. Ce qu'on fait depuis un mandat et demi, c'est construire. On construit. Ce qui veut dire qu'on va consommer de l'énergie. Il faut la maîtriser. On est bien d'accord. Je n'ai jamais vu dans le PPI, jamais, des investissements en faveur d'un plan de rénovation. Se dire, ben plutôt qu'acheter ce bâtiment, ou plutôt que de faire cette action-là, plutôt que de mettre en place un planétarium, ben pim, je vais engager sur X années, sur 10 ans, je vais mettre de l'argent dessus. Jamais, je ne l'ai jamais vu. Donc je suis en colère, je suis quand même... malgré le contexte, contente que vous y mettiez le doigt dedans. J'espère que cela sera fait de façon exemplaire. Heureusement que ça va être exemplaire. Je le souhaite de tous mes voeux. Lancer un audit énergétique, ça fait 10 ans que je vous le dis. Vous avez eu un CODEV là, qui a été remis, qui a été payé par la métropole, qui vous a permis d'avoir une visibilité sur X bâtiments. Vous avez eu avec le département, ça s'appelait l'opération Cocon, la possibilité d'isoler des combles perdus. Vous l'avez fait, bébé. Vous l'avez fait, mais vous n'êtes pas servi de ça pour vous dire effectivement, on a des comptages énergétiques avant et après, il y a quelque chose, on a économisé de l'argent, on va le reproduire. Non, on attend maintenant, là, avec combien, plus de 3 millions de dépenses énergétiques. Enfin, moi, je vais arrêter là parce que je suis relativement agacée. Oui, j'ai compris. Ah ben, vous aussi, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard. Très bien. Je suis désolée. Merci, ma chère collègue. D'autres prises de parole, Monsieur Joliot. Oui, Monsieur le maire, chers collègues. Moi, j'aurais la dent moins dure parce que je n'étais pas là il y a 10 ans. Peut-être, sinon, aurais-je le même raisonnement. Enfin, ce que je constate, c'est que, de toute façon, on est arrivé à un moment, et puis vous l'avez souligné, Monsieur le maire, on n'a plus tellement le choix. Et donc, effectivement, au-delà des étiquettes, au-delà
des majorités ou des minorités. Je crois que de toute façon, tout le monde, peu ou prou, devra se mettre à travailler dans le même sens. Je suis content que Talence le fasse, effectivement. Je constate, pour avoir l'œil comparateur, on va dire, comme d'autres, que ce qu'on va faire, d'autres l'ont déjà entamé depuis un certain temps, mais je suis content qu'on s'y mette. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez parlé d'un guide des bonnes pratiques. Je crois que ce sera une très bonne idée, puisque nous avons été saisis par une dame qui habite à côté de Paul Lapi et qui apparemment se bat avec acharnement pour arriver à faire éteindre le chantier la nuit. Donc elle nous a demandé d'en toucher deux mots s'il y en avait la possibilité au conseil municipal, parce qu'effectivement, elle considère que ça fait partie des petites choses qui, mises bout à bout, sont importantes. Et donc je tenais à faire écho à sa demande pour qu'enfin le chantier reste éteint la nuit. Merci. Merci. D'autres prises de parole ? Monsieur Bimboire. Moi, je prends effectivement, monsieur le maire et chers collègues, acte de ce que vous venez de nous présenter. Je valide ce que vient de dire également mon confrère. Vous avez tout à l'heure précisé que vous étiez républicain, j'en suis ravi. Par contre, vous savez qu'il y a énormément de communes qui demandent à l'État de, justement de s'impliquer clairement sur le bouclier tarifaire de façon à ce que les collectivités ne soient pas pénalisées et fassent un choix, voire un équilibrage entre le budget et la continuité des services publics. À Bordeaux, il y a une motion qui a été demandée pour envoyer au gouvernement. J'aurais souhaité effectivement qu'on puisse le faire. Mais vous avez dit qu'en tant que républicain, vous attendiez de savoir ce que l'État allait vous proposer. C'est normal, c'est votre groupe, enfin, votre groupe politique. Moi, j'aurais préféré que Talence, puisqu'on est toujours les premiers en tout, fasse également une motion pour exiger du gouvernement, justement, qu'il soit très clair sur ce qu'il a l'intention de faire sur le bouclier tarifaire. Très bien. Merci, mon cher collègue. D'autres prises de parole avant de clôturer. Alors, d'abord, je vous entends rarement agacer, ma chère collègue. Je vous entends par contre de plus en plus dans une posture d'opposition. C'est quand même fort. Ce que vous dites est quand même très fort. D'abord parce qu'il y a des inexactitudes factuelles. Et puis, on commence le mandat en vous proposant un groupe de travail énergie. Votre première décision, c'est de ne pas y participer. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans de mandat, où vous demandez plein de choses, vous faites des choses, etc., vous n'avez pas décidé de participer au groupe énergie. Il est fait pour ça, le groupe énergie. Donc vous dites aujourd'hui, ben, on n'est pas consulté, mais vous n'avez pas voulu y participer. Donc la porte, comme je vous l'ai dit, elle reste ouverte, mais c'est quand même bien le diable de se plaindre d'une situation que vous avez vous-même choisie. La deuxième chose, et je trouve, je vous le dis tel que je le pense, assez stupéfiante vis-à-vis des agents de la ville. Comment pouvez-vous penser que rien ne soit fait si nous sommes la commune, c'est pas moi qui le dis, c'est Sud-Ouest, qui dépense le moins d'énergie par habitant? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, parce qu'on n'a pas de locaux, il y en a plein? Est-ce que vous pensez que parce qu'on a fait des choses, on a fait plein de choses? Et on les a fait ensemble. C'est-à-dire que rien n'a été fait, et par l'effet du hasard, donc, on est la commune qui consomme le moins d'énergie. Vous étiez agacé, je pense vraiment, hein, je vous le dis tel que je le pense, puisque nous avons des relations de confiance tous les deux, que ce sujet-là, en tout cas dans les autres conseils municipaux, n'a pas suscité d'agacement. C'est dommage. Pour autant, les mesures qui sont présentées là sont soit conformes, soit on voit plus loin de tout ce qui a été présenté dans les autres conseils municipaux et qui n'a pas fait l'objet d'un quelconque agacement, du moins ce n'est pas ce que j'ai lu dans les colonnes ou dans ce qui m'a été rapporté. Vous avez dit on n'a rien fait, mais vous avez voté, ou pas d'ailleurs, chaque année dans un budget, des lignes spécifiques pour la rénovation énergétique. Est-ce que vous pensez, encore une fois, qu'on aboutit à des choix soit d'équipements neufs, je vous ai cité Boris Diot, pas par hasard, Boris Diot a plus de 10 ans, la chauffière, tout ce qui est chaudière biomasse, il y a 10 ans, c'était quand même un peu moins développé qu'aujourd'hui. C'est des choix qui ont été faits. Alors, vous n'y étiez pas, moi non plus, mais on est tous dépositaires de ce qui a été fait auparavant. Vous me prenez l'exemple de Paul Lapi. On a parlé des... Non, mais vous me dites, on ne fait rien. Est-ce que l'exemple de Paul Lapi, ce n'est pas exactement l'objectif d'une rénovation énergétique? Paul Lapi était une passoire thermique. Et nous allons rénover complètement l'école. Et j'en profite à dire à mon cher collègue que cette dame nous a aussi, parce qu'on a l'habitude maintenant, dès qu'une lumière reste allumée, on a un Twitter, un appel, etc. Comme je l'ai expliqué à cette dame, c'était un chantier de désamiantage pour lequel les machines devaient fonctionner toute la journée et toute la nuit. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue sécurité, la dernière fois qu'elle nous a saisis, eh bien, c'est un ruban LED
qui est obligatoire quand on fait des opérations de désamiantage. Je lui expliquais, il ne s'agissait pas d'un oubli de la part des équipes, simplement d'une norme de sécurité, puisque quand on désamiante, il faut, si la machine tombe en panne, que l'on puisse avoir un éclairage. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas oublié la lumière par-ci et par-là, mais pour l'exemple de Paul Lapi, ce n'est pas le cas. Vous nous dites, madame, Rami, vous avez demandé un audit énergétique. Non, il a déjà été fait, mais on va le remettre à jour, parce que le patrimoine, il évolue, parce que les consommations... Mais donc, ne dites pas qu'on n'a rien fait. Ou alors, on va dire, écoutez, on en a fait un il y a 10 ans, ça nous suffit. Ben, moi, ce n'est pas mon cas. Et puis, par rapport à votre dernière observation, mon cher collègue, oui, je suis républicain. Je pense qu'on est très exigeant vis-à-vis du pouvoir. Je me suis exprimé publiquement sur le fait que je souhaitais, pour les villes, pas pour Talence, hein. Évidemment, si c'est mieux pour Talence, c'est tant mieux, mais pour les villes, que le gouvernement se positionne. J'ai observé, comme vous, le fait que les lignes bougeaient, mais... Moi, avec les lois de finances, je ne vous ai pas parlé du gouvernement Hollande par hasard. Hein. Quand François Hollande a décidé à l'époque, avec Manuel Valls, d'enlever 3 millions d'euros de dotation aux collectivités, je crois que vous en étiez d'ailleurs plein à l'époque, on n'a pas eu le choix. Et ces 3 millions d'euros, ils nous manquent toujours aujourd'hui, parce qu'on ne nous a pas fait enlever un service supplémentaire. Donc moi, je laisse le choix au gouvernement, et aussi, parce que c'est son rôle, à la représentation nationale, Assemblée nationale et au Sénat, qui est le défenseur des collectivités, nous avons deux sénateurs ici, le soin de nous faire des textes, et c'est sur la base de ces textes-là. Alors on peut effectivement toujours adopter des motions, il y a beaucoup de motions qui circulent. Bon, je me suis exprimé publiquement, moi j'ai l'habitude de dire on va voter une motion tout à l'heure, qu'il vaut mieux, on peut voter des motions sur tous les sujets. Celui-là en est important, on s'est exprimé publiquement. Moi je voudrais juste vous faire une remarque politique. J'ai été contacté par des députés sur la situation. Juste aimé que le député qui porte vos couleurs, que vous avez soutenu, passe un coup de fil en disant « Monsieur le maire, quelle est la situation? Est-ce que, comment on peut avoir ça ?» Zéro coup de fil. C'est dommage. Il est député de Talence. Alors certes, beaucoup de Villeneuve-d'Ornon, mais il est député de Talence aussi. Et donc, quand vous me dites « Celui qui doit faire la loi, c'est certes le gouvernement, mais on en oublie quand même un tout petit peu. Moi, je voudrais pas qu'on nous passe sous silence. Je pense que la parenthèse actuelle permet de se rendre compte de l'authentique rôle du Parlement, beaucoup plus avec la majorité actuelle. Et donc, laissons faire le travail législatif. On a fait des remontées. Il y a le diable se cache dans les détails. Hein. Dire on veut un bouquet énergétique, c'est facile. Le caractériser dans les faits, moi j'ai vu des propositions de prise en compte de 50% et j'ai dit que c'est une bonne chose. Voilà. L'autre chose qui sera aussi déterminante, c'est quid de la valeur des bases de l'an prochain ? On attend, c'est là où c'est compliqué. Il va falloir qu'on puisse avoir ça. Bon. Donc, tout ça pour vous dire et pour conclure, mes chers collègues, que ce débat-là, indépendamment peut-être de devoir vous coûter le fait de reconnaître qu'on a bien travaillé, quoi. Enfin, ma chère collègue, être la première ville avec le Taillan-Médoc, c'est pas tout à fait la même taille de ville, à mettre en place 100% de son éclairage LED, c'est pas rien, quoi. On a divisé par 10 la facture. Et donc, moi, vous entendre dire qu'on n'a rien fait, bon, après, c'est un travail d'opposition, hein, je le respecte, tout ça est bien normal. Mais je trouve que ce n'est pas respectueux du travail qui a été fait par les services, d'une part, dirigé par le politique, d'autre part. Et c'est surtout pas le sens du débat qu'on voulait avoir ce soir. Moi, je peux prendre un schéma, faire une note interne et l'appliquer. J'ai voulu vous le présenter, en débattre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, non, vous sanctionnez tout ce qui ne va pas. Mais... j'ai voulu qu'on en débatte. Mais ce n'est pas le point final. C'est le début de la parenthèse. Il y a tout ce qui a été fait depuis, ce qu'on va faire très concrètement cet hiver, et surtout les actions à très long terme. Et c'est là où le travail de l'opposition aussi va jouer. Vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez rien fait pour le château des arts, pour l'école de musique. Je tombe de ma chaise quand j'entends ça. Parce que d'abord, est-ce que vous connaissez le programme détaillé du programme du château des arts? La réponse, c'est non. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas... Vous avez parlé de l'école de musique, c'est bien le château des arts. Non. Ah, bon, donc on l'a fait où, l'école de musique? Ah, non, c'est pas le CCM, c'est le CCV. Mais aujourd'hui, l'école de musique et de danse et de théâtre, elle est au Château des Arts. Ma chère collègue, vous parlez de Margot? J'ai pas compris. Vous parlez de quoi? Vous dites, pour l'école de musique, rien n'a été fait. Bon. Donc, et puis, un petit dernier clin d'œil... Au cas où, par hasard, vous connaissiez des gens à l'ALEC, le rapport de l'ALEC dit quoi, ma chère collègue? Qu'on est très bien sur nos bâtiments.
Vous connaissez des gens qui travaillaient à l'ALEC, je crois. Eh bien, l'ALEC, qu'on ne peut pas soupçonner d'être dans la droite ligne de la politique municipale, puisque, vous savez, c'est une association qui fait un remarquable travail, mais indépendante, eh bien, elle nous a donné un satisfecit, qui est le contraire de ce que vous nous dites ce soir. J'ai envie de dire, voilà, ainsi va la vie de la démocratie, c'est pas très grave, hein, mais je pense que ça mérite mieux. En tout cas, ça mérite mieux d'être agacé. Moi, j'ai vu aussi des prises de parole plus constructives et plus sereines. Et en tout cas, moi, je vous le dis très honnêtement, je souhaite effectivement qu'on fasse ce travail-là collectif, parce que chacun et chacune a apporté sa pierre à l'édifice pour essayer de dire, là, il se passe ça, là, il se passe ça. Et puis, une dernière chose pour vous, puisque vous êtes dans l'exécutif métropolitain, aidez-nous à accélérer la métropole sur le réseau de chaleur. C'est quand même incroyable, incroyable, que ce réseau de chaleur qui est prêt, qui est à Thouars, eh bien, on ne peut pas l'avoir pour l'instant à la piscine. Alors, elle n'est pas ouverte, hein. Aidez-nous. Montrez aussi, défendez nos intérêts auprès de la métropole. Parce que le réseau de chaleur, parce que je vous ai déjà entendu critiquer sur Talence qui ne va pas aussi loin de projet de chaleur, c'est la métropole. C'est Madame Bichet. Vous avez l'occasion de plus lui parler plus fréquemment que moi. Demandez-lui qu'on aille plus vite. Parce que la décarbonation de l'énergie et le fait de profiter de l'intelligence qui est née à Thouars, ça dépend de la métropole. Donc la balle aussi dans votre camp. En tout cas, moi, je pense que ça mérite vraiment un débat serein, constructif. Et surtout, bah, comme on a souvent l'occasion de le dire, on verra. On verra l'évolution de la consommation énergétique. Et en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que sur les 10 dernières années passées, elle plaide plutôt vraiment en notre faveur. Madame Grélin-Dédéac, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Vous dites que le diable se cache dans les détails. Alors, quelques détails peut-être que je souhaite relever. Vous, à chaque fois, vous nous remettez sur le tapis le groupe. Nous avons demandé des commissions qui sont d'un cadre de travail réglementé dans lesquelles les oppositions siègent et travaillent avec la majorité. Dont acte. Vous parliez de l'extinction de l'éclairage public en 2018. Je me souviens fort bien et j'ai relu dernièrement le compte-rendu du conseil municipal de l'époque avoir demandé plusieurs années précédemment, l'extinction de l'éclairage public à Talence, et qu'ici même, on s'était très fortement moqué de moi. Je voudrais rappeler aussi que, lors du projet de la piscine, nous avions évoqué, nous avions demandé qu'il y ait des études, en tous les cas des prospectives faites sur d'autres sources de chaleur. Ça n'est pas ce qui a été choisi, et on voit bien que ça va devenir extrêmement difficile. Vous faites référence au travail de la métropole. Je rappelle que la métropole, c'est une communauté de communes, et que les services de la métropole travaillent aussi à la demande des maires. Et la ville de Talence n'était pas, je n'ai pas pris de renseignements plus précis plus récemment, n'était pas une commune qui demandait et qui portait beaucoup de projets. Et enfin, une demande plus personnelle, vous parlez de la végétalisation des murs. S'il vous plaît, stop au jasmin sur tous les murs de toutes les maisons et tous les jardins des villes. Merci. Alors, à Madame Ramy. Après, on va clôturer parce qu'on a un ordre du jour du conseil municipal. Madame Ramy. Oui. Et après, Monsieur Cazabon. Je voudrais quand même répondre à certains points que vous avez soulevés. Déjà, vous avez dévié à certains points de mes interventions. Je n'ai pas dit que vous n'avez rien fait. J'ai justement dit que vous aviez pris l'action. Non, non, non. Vous réécouterez l'enregistrement. Ça sert à quelque chose, au moins. J'ai dit que vous avez utilisé le levier de l'éclairage public. Je n'ai pas dit que vous n'avez rien fait. Premier point. Deux, vous citez les 27 euros de la source sud-ouest. Alors, je ne veux pas remettre en question sud-ouest et son expertise énergie-climat. Je me pose toutefois la question, puisque ça part, enfin, si j'ai vu la légende, ça part des extractions des comptes de résultats. Il me semble que la piscine a été fermée pendant 2 ans. Point d'interrogation à fouiller. Sachant que c'est un poste un des plus consommateurs, donc peut-être que ce 27 euros par habitant n'est pas le chiffre de référence qu'il faut prendre, hein, ou sur lequel il faut se baser.
Après, vous avez parlé de la rénovation énergétique que nous votons au budget. Je vous rappelle quand même que le groupe d'opposition, il ne participe pas au budget ou au vote de ce budget, et que j'ai à plusieurs reprises demandé des explications sur la terminologie de rénovation énergétique. Rénovation énergétique, on a parlé beaucoup d'éclairage, on a parlé beaucoup de pas grand-chose, en fait, mais pas de plan d'investissement pluriannuel sur de la rénovation. Rénovation toiture, mur, changement des vitrages, je ne l'ai pas entendu, ça. Donc, je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de vous... Non. Ah ben prenez, alors prenez-le comme ça, ça va peut-être vous booster un peu. Je reste toujours dans de l'opposition constructive. Je vous dis que nous avons fait des propositions. Denise l'a repris. Ça n'a pas été écouté. Donc, je reste là. Et faire un audit. Et quand on fait un audit, M. Sadaberry, l'objectif derrière, c'est de mettre en place un plan d'action. Donc, quand on fait un audit il y a 10 ans, effectivement... La meilleure des choses, c'est de le refaire et d'après, d'avoir un programme d'action. Oui, c'est exactement ce qu'on fait, ma chère collègue. Mais encore une fois, vous m'expliquerez par quel miracle, si nous ne faisons rien, vous avez dit, tout à l'heure, on reprendra effectivement le PV puisque tout est enregistré, vous avez uniquement fait l'aspect éclairage public. Vous n'avez rien fait pour les bâtiments. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Nous avons énormément investi dans les bâtiments et dans la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, peut-être n'avez-vous pas cette information, mais je vous le dis et je vous le donne. Mais pour conclure, Alain voulait parler, puis et après je répondrai aux questions de oui, Mme Gray. Alors, excusez-moi, Mme Rami, vous avez bien dit que vous n'avez rien fait. Ceci étant, rien, c'est quelque chose, puisqu'il y a moins que rien. Donc je pense que c'est là que vient votre différend. J'ai été très en colère pendant que vous parliez. Pourquoi j'étais très en colère? Parce qu'on évoque l'État qui doit intervenir, et c'est normal qu'on appelle l'État, dans la mesure où on n'est pas responsable ici à Talence de ce qui arrive. Mais on a commencé à étudier le budget prévisionnel de l'État, qui va passer certainement avec le 49-3, demain ou après-demain. Et déjà, on voit qu'il y a près de 100 milliards d'emprunts, plus ou moins disséminés, sans tenir compte de ce que l'État pourrait apporter aux collectivités. Au-delà de l'aide aux collectivités, vous avez vu que la plupart des activités, que ce soit les PME ou les entreprises importantes, je ne parle pas de Total ou de très grosses entreprises, se trouvent aussi dans une difficulté énorme parce qu'elles vont réclamer, elles aussi, un bouclier fiscal, ce qui serait normal. Alors pourquoi j'étais en colère? Parce que, comme mon collègue M. Benvoir dise ça, j'aurais pu le comprendre. Mais vous, Madame Rami, vous, pas vous personnellement, vous, ce que vous représentez. Parce que si nous avons ces difficultés particulières aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que vous avez assassiné l'énergie nucléaire. Vous avez assassiné, profitant de la faiblesse de vos collègues. Parce que nous avions l'énergie la moins chère. La moins chère. Hein? Et aujourd'hui, vous la remplacez par des éoliennes, par des énergies renouvellement durables, bien sûr. Mais ça représente 6% de notre énergie. Alors, vous êtes responsable, pas vous, encore une fois, Mme Marie, au niveau national. Alors, un peu de modestie, et n'accusez pas ici les responsables locaux qui essaient de sauver un peu leur gestion par rapport à un événement énorme. Et M. Benbar ne me contredira pas, cette destruction que vous avez voulu et que vous avez imposée à vos partenaires, notamment socialistes. Et vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Quand on fait des analyses, que ce soit en Europe, que ce soit en France, l'énergie nucléaire était notre fleuron. Et aujourd'hui, on va avoir du mal, même si le gouvernement a enfin pris la décision de recommencer, on va avoir du mal à retrouver ce qui était notre niveau et donc à retrouver ce qui était aussi notre prix. Alors, je vais répondre aux questions pour d'abord faire de la sobriété informatique et clôturer ce débat qui aura donc duré près d'une heure, ce qui est la preuve, si vous m'écoutez évidemment, qu'on peut débattre sereinement. Ma chère collègue, chère Denise, j'ai toujours pas compris votre position. Vous faites partie du groupe de travail déplacement, l'opposition. Et le... oui, vous l'ignorez peut-être, mais bon, parlez-vous. Vous y êtes. Donc c'est bien pour les déplacements,
mais pour l'énergie, c'est moins bien. Je vous rappelle que, et autre chose, vous faites partie, je parle de votre groupe, hein, d'une majorité métropolitaine qui détient le record absolu du groupe de travail et du nombre de commissions préalables à tout cela. Donc c'est bien la métropole, c'est pas bien ici, mais pourquoi pas. Donc, je vous ai proposé, et je vous repropose ce soir, de faire tomber ce dogme. Sortez de ce dogme. Rejoignez et le groupe de travail énergie pour participer au suivi à la proposition de cela. Et la composition de ces groupes, ma chère collègue, je voudrais juste vous rappeler quelque chose, c'est que le groupe de travail par rapport à la commission, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Et le premier d'entre eux, c'est de pouvoir offrir à l'opposition une représentation bien supérieure à sa représentation lorsqu'on est dans le cadre d'une commission. Et d'autant plus qu'au début de ce mandat, vous étiez deux groupes. Vous en formez désormais trois, avec M. Joliot et Mme Kellier, qui étaient dans un groupe autonome dès le début du mandat. Eh bien, ça peut vous permettre d'avoir un des chefs, alors ils sont chefs d'eux-mêmes, hein, mais de l'opposition, des groupes de l'opposition, d'être représentés, ce qui n'est pas le cas dans la commission. Donc faites tomber ce dogme et rejoignez le groupe de travail. Vous avez dit, la métropole travaille sur le besoin des maires, mais je tiens à votre disposition l'historique du réseau de chaleur de la piscine. Hein. Ça a été demandé par mon prédécesseur. Pourquoi ? Parce que les chaudières de Thouars sont à, encore une fois, quelques encablures. Ça a été demandé depuis très longtemps. On nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, avec le nouveau pouvoir à la métropole, il y aura un avant, un après. Bon, je constate qu'au bout de 2 ans et demi, bientôt 3, le réseau de chaleur n'est toujours pas connecté à la piscine. C'est dommage, ça permettrait de se passer du gaz. Et donc, ce que je demande, et ce que j'ai demandé à Isabelle, puisqu'elle fait partie de l'exécutif, si quelqu'un a quelque chose à me dire, il vient voir l'exécutif, t'as lancé. Vous êtes collègues, on est collègues tous les deux. Mais celui qui est en responsable, et celui qui est en responsabilité, c'est l'exécutif. C'est pas Madame Ramy qui s'occupe de ça, c'est Madame Claudine Bichet, pour lui dire, est-ce qu'on peut, à un moment ou un autre, accélérer, juste de faire un trou, de rassembler, et tout cela. Et, bah, apparemment, bon, malgré beaucoup de bonnes paroles, ça va pas très vite. Sur les... Il y avait 2-3 choses que je voulais un petit peu rectifier sur vos points de vue. Sur la production de chaleur à la piscine. Il n'apparaissait pas possible par l'architecte de déposer des permis, des panneaux photovoltaïques, pardon, sur la toiture du bâtiment, compte tenu du fait qu'on conservait la structure originelle de ce bâtiment et que le poids pesé par l'air, parce que je rappelle qu'on a choisi un plafond au-dessus de la piscine qui était une vraie passoire thermique, qui est de l'air en fait, hein, c'est pas du dur. On peut pas poser on peut pas poser un grand nombre de panneaux photovoltaïques. L'autre solution qui nous avait été proposée, c'est de les poser au sol, avec une productivité qui était ce qu'elle était, mais surtout qui aurait imperméabilisé et donc enlevé toute la partie de l'espace vert qui est devant la piscine. Donc c'est pas possible. On est en train de demander, on est en train d'investiguer plusieurs champs. D'abord, est-ce qu'on peut avoir des solutions le temps que la métropole nous raccorde la piscine avec des énergies décarbonées? Et est-ce qu'on peut trouver une solution intermédiaire qui nous permettrait peut-être pas forcément de produire autant qu'on le voudrait, mais qui nous permettrait d'avoir ça? En sachant une chose, et ça revient avec la remarque que j'ai dit à Madame Ramy tout à l'heure, c'est qu'on est en face du château de Thouars, qu'on est monument historique, et que l'architecte des bâtiments de France se montre en général très sourcilleux, à juste titre, sur des installations qui sont dans l'axe et le cône de visibilité de monuments tels que Château de Thouars. Donc on ne pourra pas faire ce que l'on veut. Et je veux vous le répéter, Madame Ramy, dans le cadre du Grand Pex Auto Margaux, ben on ne peut pas mettre de double vitrage. C'est pas qu'on ne veut pas. Hein. On a posé la question, mais on ne peut pas. Parce que ben, ces simples vitrages, il faudra qu'ils demeurent. Pourquoi? Parce que c'est monument historique. Donc parfois, ce n'est pas ma faute, hein, ni la vôtre d'ailleurs, ben, on ne peut pas. Voilà. J'ai pris bonne note pour Jasmin. Je suis personnellement passionné de Jasmin, je voulais vous le dire. Et nous aurons peut-être l'occasion de prendre un thé au Jasmin ensemble. Mais de vous rappeler... Ah bon, je propose autre chose. Mais je voudrais juste vous rappeler que si ce sont les plantations qui sont faites devant les personnes, ce sont les personnes qui décident elles-mêmes. Je ne sais pas si vous parlez des bâtiments privés ou des bâtiments communaux, mais voilà. Et donc, mais j'ai bien noté, j'ai donc regardé Sophie pour que le taux de jasmin soit drastiquement diminué. Mais moi, j'aime bien le jasmin. Bon, il faudrait faire un groupe de travail jasmin, mais vous n'allez pas y participer. Bon, ça pousse vite et c'est pratique.
C'est vrai, mais moi je suis très serein. Hein. C'est vous qui êtes en colère. Et puis par ailleurs, on est en train surtout d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut planter pour éloigner les moustiques, ce qui sera d'ailleurs bien meilleur que le jasmin. Allez, je vous remercie pour ce débat passionné. Et encore une fois, le travail commence. Merci aussi à celles et ceux qui ont proposé des remarques constructives pour avancer dans le même sens. Madame la secrétaire. Alors, vœu de la ville de Talence relatif au RER métropolitain. Alors, je voudrais dire d'ailleurs qu'on va changer une délibération pour que notre collègue tout à l'heure, Guillaume McGarrigue, si vous en êtes d'accord, puisse participer au diagnostic qui a lieu actuellement à la gare de la Médocine et pour lequel notre collègue François Gestin est excusé puisqu'il y participe, il y a à peu près une cinquantaine de personnes. Me dit-on, c'est un vœu qui a fait l'objet d'échanges entre nous. En tout cas, avec vous, Madame Ramy et votre groupe, et avec vous, Monsieur Jolot, nous avons essayé de vous contacter plusieurs fois, Madame Kelly, mais malheureusement sans réponse. Donc j'espère que ce texte vous convient. Donc l'idée est que, vous le savez, la réunion a été plutôt très conclusive, puisque la réunion de présentation s'est plutôt bien passée, même si on était très souvent très loin des enjeux du RER et de la gare et de la halte de Talence-Médocine. L'idée est de contribuer par écrit donc au sein du registre de concertation pour rappeler tout l'attachement que l'ensemble du conseil municipal porte à la réouverture de cette gare en 2025. Je voudrais juste apporter une petite précision parce qu'il me semble que la future ligne de bus express n'est pas pour l'horizon 26, mais plutôt pour l'horizon 27, hein, puisque je crois que c'est le calendrier qu'on nous avait donné, puisque la métropole va vite, mais pas autant qu'on le souhaiterait. Alors, est-ce que ce vœu... Madame Kelly. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'interroge sur ce vœu. Un vœu, c'est un souhait émis, donc en plus, en collectivité locale, il y a une définition précise, pour souhaiter justement une décision qui n'est pas prise. Là, la décision est prise. Donc, qu'est-ce qui motive précisément la publication de ce texte qui s'appelle « Un vœu ». Donc ça me chagrine. D'autre part, je trouve que le texte ne rend pas justice à la place des citoyens, des collectifs citoyens et des associations dans le combat qui a été mené depuis très longtemps. Puisqu'il y a déjà 30 ans, 40 ans, j'étais née, mais bon, je n'étais pas encore à Talence. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Ok. Quelqu'un a arrêté physiquement le train à la gare de la Médocine pour démontrer que les quais étaient adaptés et pouvaient accueillir donc de nouveau des voyageurs. J'ai trouvé aussi en 2016 une motion qui avait été votée ici, mais sous la pression des associations, pour demander la réouverture de cette gare. Donc cette motion avait tout son sens. Et donc voilà, la municipalité ne s'est pas engagée. Enfin, à lire le texte, on a l'impression que la municipalité a tout fait. Non, j'aimerais vraiment que dans ce texte, on reconnaisse un petit peu mieux la place de ces collectifs citoyens. Et j'ajouterais qu'il y a un anniversaire à souhaiter, puisque j'ai vu sur le site de l'association que c'était le 18 octobre 2012, donc il y a 10 ans, que l'association présentait justement son projet de réouverture de la gare. Donc, pour terminer... sauf si vous m'apportez des arguments montrant qu'il y a un danger particulier par rapport à la décision, puisqu'en fait, on est sur quelque chose qui est déjà acté. Donc, on ne fait pas un vœu sur quelque chose qui est déjà acté. Sauf si vous m'apportez des arguments comme quoi ce vœu aura un poids particulier, apportera quelque chose, sera une plus-value. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'y souscrire. Alors, si vous préférez le terme de motion ou de vœu, c'est à peu près la même valeur. Il y a des choses, ça faisait quelques conseils municipaux qu'on n'avait pas eu la chance d'entendre vos propos, mais qui me hérissent toujours autant le poil. Je voudrais juste vous rappeler, ma chère collègue, que les élus sont aussi des citoyens et qu'il appartient aux élus de pouvoir
effectivement conduire, indépendamment de leurs étiquettes politiques, les affaires de la ville. Il a toujours été dit, d'abord, ce que vous avez dit, que la motion avait été faite sous la pression des associations, c'est faux. C'est juste que le président de la région, je le sais, j'y étais, avait décidé, après quelques atermoiements et quelques choix plus orientés vers Pessac que sur Talence, à l'époque, avait décidé de faire la réouverture de la Médoquine. Et donc, à l'époque, ce n'était pas du tout la pression des associations que j'ai reçues de très nombreuses fois et qui ont fait un travail admirable. C'est vrai. Mais ce n'était pas la pression. C'était juste d'enfoncer le clou pour dire, eh bien, on souhaite passer au stade, enfin, d'arrêter les études. Parce que je pense qu'il y a eu plus d'études sur la gare de la Médoquine qu'il y a de kilomètres de voies ferrées entre ici et Paris. Donc, ce que vous dites, pardonnez-moi, mais n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas de pression des associations. Les associations, elles ont fait leur travail depuis 30, 40 ans. Vous savez que les chiffres en ce moment entre la police et les syndicats, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais tout le monde a fait le travail. Tout le monde a fait le travail. Et lorsqu'on a voté ce vœu à l'unanimité en 2018, pour reprendre vos... Eh bien, effectivement, on a juste rappelé notre attachement à aller dans la phase. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le vœu ou la motion la plus importante, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a un danger ? Oui. Très concrètement, oui. Aujourd'hui, la réouverture de la halte Médoquine n'est pas actée définitivement. Elle est le fruit de la concertation en cours auprès de deux lignes de RER, puisqu'elle est intégrée dans un schéma de RER métropolitain, girondin, qu'importe. Et cette réouverture, à la différence de nos collègues du Bousca, qui sont en travaux, elle est effectivement très avancée. Mais si jamais il y a une majorité d'avis qui s'exprime contre sa réouverture, quel qu'il soit, alors les garants de la concertation pourraient recommander de ne pas réouvrir cette gare. Donc le danger, oui, il ne faut pas agiter les peurs. Mais aujourd'hui, si vous me dites, est-ce que la réouverture de la gare des Médoquines est actée, la décision de faire est prise. Mais c'est le principe d'une concertation, d'une consultation plus exactement, eh bien, on le fait valider avec des garants. C'était l'objectif de la réunion publique à laquelle je ne sais pas si vous avez assisté, qui a été une réunion de présentation dans laquelle il y a des gens qui sont même venus de Cestas, de Pessac, de Codéran, de plein d'autres endroits, sur lequel tout le monde a rappelé, quelles que soient les étiquettes politiques, votre collègue d'ailleurs, conseiller départemental, était là, pour rappeler l'importance. Donc, danger, ce n'est pas le bon terme, mais il y a aujourd'hui factuellement quelque chose, le registre de consultation est la seule preuve physique avec les prises de parole en réunion qui indique si des personnes, citoyens, élus, souhaitent ou non la réouverture de la gare de la Médoquine. Et c'est le souhait, et c'est ce texte-là que nous avons soumis, donc, et que nous vous avons soumis, c'est un peu dommage d'attendre le conseil municipal, on vous l'a soumis il y a plusieurs jours déjà, sans réponse de votre part. Donc je veux bien entendre tous les éclaircissements, mais saisissez-vous justement du délai qu'on vous avait donné, qui va bien, je crois, à Mme Ramy et son groupe, qui va bien, je crois, aussi à M. Joliot, et son groupe. Et donc, est-ce qu'il y a un danger ? Oui, en tout cas, il y a un risque. Donc il ne faut pas le prendre. Et en tout cas, l'idée est d'exprimer juridiquement, par écrit, le souhait des élus de la ville de Talence de pouvoir réouvrir cette halte. Et les citoyens ou associations qui le souhaitent également, on verra, je pense que l'association dont vous parlez viendra sûrement sur le registre ouvert en mairie ou par Internet, puisqu'on peut le faire par Internet, aura l'occasion de dire si elle est d'accord ou pas avec la réouverture de cette gare. Donc c'est très important. Sachez une chose. On a parlé de sobriété énergétique, mon cher collègue. Mais les sonnettes divergent entre les différents conseils municipaux. C'est l'école de musique, justement. J'ai pas bien compris où est-ce qu'elle était, mais c'est celle-là. Donc, juste, ma chère collègue, je crois qu'il y a toujours une tradition dans ce conseil municipal, c'est d'éviter la production de vœux, émotions, sur tout à n'importe quoi. On en prend peu, de manière à ce que, quand on en prend, elle n'est pas une valeur juridique plus importante, mais on est... et qu'on puisse enfoncer le clou. Voilà le sens pour répondre, je l'espère, à vos questions et vous laisser libre, évidemment, de vos votes. Monsieur Cazabon. Oui, Madame Kelly. Les associations ne sont pas forcément une opposition par rapport aux élus. Ça peut être un complément, ils peuvent contester quelquefois. Mais ceux qui ont la responsabilité, et vous en êtes une, ce sont les élus. Ils sont élus pour ça, donc ils ont à assumer leurs décisions et les propositions qu'ils font. La gare de la Médoquine, je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a eu X délibérations, il y a eu X rencontres. J'avais été avec Maître Ambry, ancien élu ici, qui a beaucoup participé à ça, à des rencontres avec M. Rousset.
la fin de l'histoire, vous le connaissez. M. Rousset me disait souvent, mais je ne vois pas l'intérêt de la médocaine. En réalité, il voyait très bien l'intérêt de la médocaine. Ce qui l'inquiétait, c'est que la médocaine, si elle se réalisait avant sa gare à lui, aux échoppes, on se serait posé la question de l'utilité de la gare des échoppes. Mais il était maire de Pessac et président de la métropole, donc je ne peux pas lui reprocher de défendre les intérêts de Pessac. Et le jour où les échoppes ont été lancées, à un prix important d'ailleurs, je l'ai rencontré et je lui ai dit, alors maintenant, médocaine. Ah, mais maintenant, on peut faire. Mais je souhaiterais qu'elle desserve seulement le Médoc. Et j'avais rencontré avec le maire de Saint-Aubin, qui est toujours le même, j'avais rencontré la SNCF, RFF, et j'avoue que là, les propositions et le directeur régional de RFF avaient été francs. Du collier. Il nous avait dit très clairement, de toute façon, nous, on fera ce que veut M. Rousset. C'est lui qui paie, on fera ce qu'il veut. Vous avez la mairie de la franchise. Voilà pourquoi, si ça, aussi, ça a traîné des années et des années. Et finalement, la dernière rencontre qu'on avait eue avec Alain Rousset, c'était un accord sur le principe de la réalisation de cette halte, qui était à l'époque une gare. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à la situation. J'ajoute qu'entre-temps, la mairie de Talence avait essayé pour conserver déjà le point de vente, parce que c'était utile pour des habitants, le point de vente à Médocaine. J'avais rencontré le directeur général de la SNCF à Paris pour lui dire la ville de Talence est prête à mettre un fonctionnaire, comme on a fait la poste de... Comment s'appelle la poste de... Feldman. À mettre un fonctionnaire qui ferait le travail que fait actuellement votre employé. Vous demanderez juste une participation, un pourcentage sur les ventes des voyages, sur quoi c'était possible. Et donc j'ai eu la réponse du directeur général, ils ne le font qu'en milieu rural. Pas de chance, les vignes au Brion ne classaient pas en milieu rural. Donc ils n'ont pas accepté de faire ça. Même ça, ils avaient refusé au nom de ce principe, on ne le fait qu'en milieu rural. Voilà pourquoi l'histoire de la Médocaine, les associations sont beaucoup impliquées, ça je vous en donne acte, avec plus ou moins de sensibilité ou de sympathie ou de position, peu importe, mais ils se sont impliqués. Et très souvent, lorsqu'on a fait des réunions, c'était avec les associations. Mais je le répète, le décideur, c'est l'élu. Et puisque je suis un maire ouvert et charmant, vous le savez déjà, je peux vous proposer de rajouter, après la phrase... Au cœur de ce schéma de transport repensé, le Talence-Médocaine occupe une place centrale et place Talence comme un rouage essentiel du RER métropolitain. Je peux vous proposer, évidemment, à l'ensemble du groupe majoritaire, la volonté de voir rouvrir cette halte au trafic voyageurs, avec au pluriel, portée, relayée et appuyée depuis de très nombreuses années par la ville de Talence et de nombreux citoyens et associations, trouve aujourd'hui enfin sa concrétisation. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal, mais c'est pas complet. Ah non, mais permettez-moi quand même de vous rappeler quand même que le Parti communiste s'est battu pendant des années. Mais au moins la CGT des transports de la Gironde avec les copains de la SNCF et du département. Quand je dis 40 ans, j'étais là, j'étais président de la commission des transports, on a fait le maximum. Alors les citoyens, je veux bien, les associations aussi, puis mettez quand même les syndicats, en tout cas un. Le principe d'ouvrir une motion et donc de la proposer avant, c'est d'éviter que chacun presse pour sa paroisse. Et donc, alors, Monsieur Joliot, Xavier, excuse-moi, Isabelle avait levé la main en premier, pardon. Ouais. Merci, désolé, Xavier. Alors, effectivement, c'est vrai que quand on a reçu ce vœu, on s'est posé la question. Donc, les questions que se sont posées Christine et qu'elles vous ont posées, on se les est posées. Donc c'est légitime et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec les réponses que vous lui avez faites quand même. Mais je les entends. Donc effectivement, on s'est entretenu sur ce vœu et il nous a semblé qu'en l'état, il ne montrait pas une volonté d'aller plus loin. Et on vous a fait deux propositions que vous avez reprises, et c'est très bien, à savoir les deux propositions qui étaient sur l'arrêt des TER Bordeaux-Dax et Bordeaux-Mont-de-Marsan, puisque ça n'existe pas pour le moment. Et qu'on espère fortement que ça soit la prochaine étape. Et le deuxième point qu'on vous a demandé aussi d'intégrer, c'était le traitement du bruit et l'aspect des riverains. Donc c'est quelque chose qui va peut-être sortir à la concertation aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est la concertation sur
les équipements publics hein, de la halte. Et je pense qu'effectivement, le bruit, le traitement du bruit, c'est quelque chose qui est important à traiter dès le départ. Donc en l'état, avec ces deux points-là, notre groupe va voter ce vœu. Il n'y a pas de problème. Avec les ajouts que j'ai proposés même. Voilà, et avec les ajouts, effectivement, qui ont été proposés là. Bien sûr. Juste vous rappeler, ma chère collègue, que l'autre engagement que nous avions demandé à la SNCF préalablement, avant toute étude, c'était aussi, on ne l'a pas rappelé, parce qu'on s'occupe aussi des riverains, évidemment, zéro expropriation. Zéro expropriation. Et que c'est la raison pour laquelle on trouve aujourd'hui une gare avec trois quais et un quatrième un peu décalé, ce qui permet d'éviter le parapet et donc ce qui permet de ne pas exproprier qui que ce soit. Sur le traitement du bruit, on en a parlé lors de la conférence et on y est, nous, particulièrement attentifs, étant entendu évidemment que la SNCF est liée par un certain nombre de normes hein, et de protections, mais je pense effectivement que c'est un point fort, de la même façon, mais je pense qu'on s'entendra là-dessus, qu'il est hors de question de faire de cette halte un aspirateur à voiture. Et donc c'est la raison pour laquelle on a fait le choix des mobilités douces pour ce pôle d'échange multimodal. Monsieur Joliot. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, comme vous le savez, nous n'avons pas souhaité, au nom de mon groupe, prendre part à la co-rédaction ou à quelconque amendement que ce soit, parce que c'est une question de principe. Nous estimons qu'à partir du moment où c'est un texte que je vais qualifier de politique, nous estimons qu'il appartient à ses rédacteurs d'en faire la proposition la plus votable, si je puis dire, par l'ensemble du Conseil. Donc, tout simplement, nous prenons acte de la question de fond qui est soulevée. Et évidemment, nous appartenons aux associations, citoyens, syndicats, groupements politiques qui, depuis des décennies, demandent effectivement avec insistance cette ouverture, cette remise en service, ce qui s'intègre aussi plus largement dans la défense des services publics. Nous avons toujours eu une action par rapport à ça. Donc, sur le fond, nous estimons qu'il serait incohérent de ne pas voter ce texte à partir du moment où il défend des choses que nous défendons nous-mêmes. Pour la question de forme, comme je vous l'ai dit, un vœu, c'est d'abord, alors je ne vais pas parler d'opérations de communication politique, ce serait péjoratif, et puis ce n'est pas totalement ça, mais c'est un texte politique, on va dire, c'est l'émission d'un vœu politique. Nous estimons, dans la mécanique, que c'est aux promoteurs de ce texte de le rédiger. Voilà. Si certains groupes veulent s'associer avec des amendements, ça les regarde, et il n'y a pas du tout d'infamie à ça. Mais nous avons fait un choix différent, c'est tout. Et donc j'ai fait le choix à chaque fois de vous proposer ces vœux, puisque l'objectif d'un vœu, on peut le voter à la majorité, mais il n'en est que plus fort que si jamais l'ensemble des personnes qui composent, les 43 personnes de ce conseil municipal, le votent, ce qui prouve bien que ça transcende l'étiquette politique, l'historique de plus ou moins X décennies. Vous savez, mon cher collègue, je vous entendais dire, ça paraît tellement évident que la Médocine soit ouverte aujourd'hui que ça fait 75 ans qu'elle est fermée. Donc je préfère, pour répondre et pour clôturer votre question tout à l'heure, je préfère m'assurer qu'on ait fait tout notre maximum pour rappeler tout notre attachement de manière à ne pas avoir de regrets. Maintenant, je vous laisse libre de votre vote, évidemment. Donc, je vous réponds rapidement pour justifier mon vote. Donc je suis d'accord, enfin, même si voilà, moi aussi je ne vais pas me battre sur les formulations. Donc l'important, c'est, je pense, de redonner, de reconnaître un peu plus fortement la place des citoyens et des associations dans ce combat. Puisqu'effectivement, ils y travaillent depuis avant, je pense, que la mairie ne s'engage vraiment formellement. Donc je voterai pour. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour à l'unanimité de l'ensemble du conseil municipal, moyennant l'ajout que je vous ai proposé, Madame Kelly, qui convient visiblement à tout le monde. Je vous en remercie. Délibération. Numéro 2, régime indemnitaire des élus. Bon, là, il s'agit d'une délibération technique qui permettra donc d'allouer à Madame Kelly, Madame Dumont, pardon, c'était le dernier nom de la liste, Madame Dumont, donc l'indemnité dévolue à l'ensemble des conseillers municipaux sans délégation, à l'exception de Monsieur le Sénateur. Donc, la somme de 146,97 € brut. Y a-t-il des observations, Madame Kellier? C'était juste une question. Il y a une augmentation dans ce tableau ou pas? Alors, pour l'ensemble des indemnités, comme c'est indiqué là-dessus, vous savez qu'à chaque fois qu'on vote une délibération, il n'y a pas d'augmentation par rapport à ce qui a été voté. Simplement, ça prend en compte les 3,5%, puisque je vous rappelle que la délibération votée, que les élus de France
subissent la même chose. C'est la raison pour laquelle ce montant-là que vous avez là, ça devait être 142, ou je ne sais plus combien que c'était au tout début, et ça a été augmenté de 3,5. Mais ça correspond à ce que vous avez touché à partir du mois d'août. Voilà. D'accord, merci. Mais David, je te sens bien passer pour parti pour rejoindre la majorité. Tu verras, c'est plus facile. Moins dogmatique et plus facile. Donc voilà, donc c'est pour répondre à votre question. Voilà pourquoi les montants diffèrent par rapport à cela. Et évidemment, tout ça respecte le CGCT. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 3. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 12 septembre 2022. Est-ce que ce procès-verbal appelle des remarques de votre part, Madame Dumont? N'ayant pas participé à ce conseil, je préfère m'abstenir. Très bien. Abstention, hein, pas ne pas prendre vote. Vous ne prenez pas part au vote? Très bien. C'est mieux, je pense. C'est plus adapté, exactement. Sinon, pas de remarque, il est adopté. Logiquement, je vais faire comme ça aussi, puisque j'étais absente, et monsieur le maire, j'ai été absente ponctuellement. J'étais présente la fois j'ai d'avant. J'ai dit que vous m'aviez manqué. Non, c'était, ouais, c'était je vois ça. Je vois ça, j'en suis contrite. Je vous propose de garder nos déclarations d'effusion pour la fin du conseil municipal. Allez, on passe à la suivante, ma chère collègue. Alors, allez-y, 26 d'abord. Oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, il faudrait passer la délibération numéro 26. Ah, oui. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Et après, il y aura la 25 de M. Hanotin. 26 de M. Garrigue. Voilà. Monsieur Garrigue, conseiller municipal, délégué aux nouvelles mobilités, aux transports, au plan piéton et au vélo métropolitain. Signature d'une convention de mise en place d'un programme de mobilité vélo avec les associations Cycle et Manivelle et Etu Récup. Monsieur. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, ça va être très rapide, hein, puisque c'est dans la droite ligne de ce que nous avions voté il y a quelques mois, puisque nous renouvelons pour un an les conventions que nous avons signées avec Cycle et Manivelle et Turécup, qui sont nos deux maisons du vélo, deux maisons métropolitaines du vélo qui concernent notre secteur, pour un montant de 3 000 euros par association. Et cette convention, puisque ça avait été évoqué lors de la précédente délibération, sera renouvelée par tacite reconduction, hein, deux fois. Sachant aussi que, vous l'avez vu, nous mettons aussi à disposition de ces deux associations un local de 6 mètres carrés au stade de Thouars pour entreposer leur matériel. Vous avez tous les devis afférents qui viennent justifier les dépenses proposées. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions, justement, Madame Ramy. Oui, déjà, je tenais à féliciter ces conventions, puisqu'il s'agit d'accompagner les mobilités alternatives et actives et le vélo sur le territoire talencé. Alors, la question, en fait, j'ai fait un peu de rétro-pédalage. C'est bien ça. Et mais il me semble qu'à une époque, vous donniez des associations, des subventions à Vélocité. Et ça fait un petit moment qu'il n'y en a plus. Et je me pose la question de pourquoi ne pas continuer à aider financièrement Vélocité, qui a un territoire d'action un petit peu plus élargi, mais qui a une visibilité et une action, notamment sur les remontées, les problématiques de chaussées. Un accompagnement sur les politiques vélo. Donc je me pose la question, c'est tout. Oui. Pour confirmer, je sais qu'ils ont également demandé à quelque temps effectivement d'avoir une convention et la ville n'a pas répondu. Donc oui. Voilà. On avait déjà eu ce débat, mais je pense que c'était peut-être passé. Alors, je vais paraphraser le sénateur qui a dit « la roue tourne ». Mais je trouve ça très bon. On a fait le choix, mais on l'avait discuté. On aide ponctuellement certaines associations et d'autres non. Vélocité fait partie effectivement de ces associations qu'on nous a aidées pendant un temps et que nous aidons plus, qui est une décision du conseil municipal que l'on passe chaque année dans le cadre des délibérations d'associations pour lesquelles vous votez pour et contre en fonction des associations. Moi, j'ai envie de vous dire, je regarde leurs travaux, hein, ils sont souvent...
très critique également de certains aménagements proposés. Actuellement, je voudrais vous rappeler par exemple qu'il y a des aménagements qui ont été faits avec eux. C'est le cas du nouveau giratoire roue Libération pour lequel Guillaume avait sollicité leur avis. Notamment, c'est avec eux qu'on avait fait des choses pour les vélos cargo. Je pense qu'à un moment ou un autre, une politique, elle s'incarne aussi à travers un pouvoir politique. Et que donc, le mieux, c'est d'avoir des responsables politiques. En l'occurrence, c'est une partie de vos délégations à la métropole pour exercer ça. On n'a pas forcément besoin d'une querelle, toujours d'association. Là, on a décidé d'aider Cycles et Manivelles et Études Récup de façon reconductible. On fait des choix parce que malheureusement, on ne peut pas aider toutes les associations, tout simplement. Voilà. Donc, vous nous avez félicité, ça veut dire que vous allez voter pour. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y a pas de... Très bien. Elle est adoptée à l'unanimité. Je vais vous proposer d'aller sur... Pardon, madame la secrétaire, sur la 25, s'il vous plaît. Ah, pardon. Délibération. Pardon. Monsieur le sénateur. Numéro Je vais vous quitter parce que je vais chez le kiné, parce que mes chers amis n'arrêtent pas de m'appeler le diable boiteux, comme M. Talleyrand. Donc, je vais chez le kiné. Et puisque je vous parle de M. Talleyrand, que je vous raconte une petite histoire, vous savez qu'il boitait. Et un jour, il a rencontré un monsieur qui était borgne. Et le borgne lui a dit « Comment allez-vous » Il a répondu « Comme vous voyez ». Alors, merci, monsieur le sénateur. La numéro 24, donc, s'il vous plaît. Délibération numéro 25. 25, pardon. Rapporteur monsieur Hanotin, conseiller municipal délégué au patrimoine, à l'habitat et à l'urbanisme, au commerce et au marché. Convention de prêt de documents de la commune de Talence aux archives départementales de la Gironde. Mes chers collègues, bonsoir, merci beaucoup. Oui, c'est une délibération qui consiste à mettre en valeur le patrimoine talençais, notamment son patrimoine documentaire, en assurant une numérisation de registres très anciens qui caractérise et singularise Talence. Nous avons de très beaux registres, dont certains remontent au XVIe siècle. Et la ville souhaiterait, par cette convention qui assurera une numérisation par des professionnels, permettre qu'ils soient repérables sur les grands sites et grandes bases de données utilisées par les chercheurs du monde entier. Je pense à Archives de France, je pense à Europeana. Et donc, nous vous proposons, en fait, d'approuver cette délibération qui permettra de conventionner avec les archives départementales, permettant de numériser ces documents et surtout de les rendre accessibles plus facilement sur ces grandes bases de données françaises et européennes. Et donc, au XVIe siècle, on parlait, je crois, déjà de la réouverture de la gare de la Médocine, justement. Alors, y a-t-il des remarques Madame Gallard-Denelec. Oui, même sans aller au niveau européen, ce sera quand même bien agréable, y compris pour les Talençais, de pouvoir consulter les archives de leur ville. C'est vrai. Mais elles sont, outre la numérisation, on peut accéder et consulter les archives de la ville. Voilà. S'il y a un problème, contactez-moi, mais tout le monde peut consulter. Tout le monde peut consulter les archives. Complexe. Non, tout le monde peut consulter les archives. Sur demande. Il y a eu des éléments RH qui ont contribué au fait que la disponibilité de l'agent n'était pas tout à fait... Il y a eu la période du Covid aussi qui a fait qu'on pouvait pas, le bureau ne s'y adaptait pas. Alors, ceci étant exposé, des remarques, il y a des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Je vous remercie. Nous revenons à l'ordre du jour normal. Alors, délibération numéro 4, décision municipale, information du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions municipales? Madame Kelly. Juste une question de curiosité par rapport à... Désolée. Oui. Par rapport vous n'avez pas la moumoute, la fameuse moumoute qui a fait échange. Ah oui. Oh, allez. Ça ne vient pas. Bon, c'est pas grave, je vais parler loin. Par rapport à l'appli mobile, est-ce qu'on a des éléments sur l'utilisation, etc. Eh bien, oui. Depuis sa mise en ligne en septembre 2019, 2676 téléchargements ont été réalisés donc, sur une application qui fonctionne très bien. 2676 téléchargements pendant que vous réparez la moumoute. La fameuse. On a beaucoup les principaux, on va dire les cinq, c'est actualité, famille, signaler un problème, météo, ma mairie, la cantine, je participe et la santé, qui font partie des cinq premiers, mais après il y a l'agenda, la propreté, etc. Voilà. D'autres questions? Monsieur Barton?
Oui, ça concerne la 23. Bon, il se trouve que d'habitude, je demande au service de me communiquer le tableau récapitulatif. Là, ça concerne donc les travaux de Paul Lapi. J'étais un peu malade la semaine dernière, j'ai pas eu le temps. Est-ce que vous pourriez nous faire passer le tableau récapitulatif concernant l'ensemble des marchés sur Paul Lapi? D'abord, on te souhaite un prompt rétablissement. Merci. Et évidemment, on te passera le même tableau, on dit le tableau de Christian Bardin, donc il te sera transmis pour suivre tous les avenants de cette longue procédure. On espère terminer ce projet. Ça fait que quelques années qu'on en parle. Je l'espère au printemps 2023, avec donc une rénovation énergétique. Mais c'est un autre sujet. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas, je vous remercie. Délibération numéro 5. Délégation et représentation du conseil municipal au sein de divers organismes extérieurs. Modification. Alors oui, c'était donc pour remplacer Madame Armitage dans les modifications. Donc je vous propose, que je crois que ça a été ça. Donc Madame Dumont, donc à la place de Madame. Alors, attendez. À la suite du dossier, Madame Rami a contacté le 1 pour demander la possibilité. Donc, Talence Innovation Sud Développement, élue désignée par le groupe Talence en Transition, Madame Maude Dumont, en lieu et place de Madame Rami. Comité de jumelage, Madame Maude Dumont, en lieu et place de Madame De Marco. Et donc, vous avez tout un tas de choses. Et il doit manquer, donc, s'il vous plaît, le nom pour la commission Acapulco, ou Acapulco, comme vous voulez. Donc, c'est pour vous aussi. Dumont. Oui, c'est Dumont. Victor Louis, c'est un super. Non, pardon, excusez-moi. La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales. C'est moi. Madame Dumont. Oui. Le collège Victor Louis en suppléant de Madame De Marco. Alors, c'est moi. Madame Isabelle Rami. Alors, à cet effet, j'ai une remarque de Madame De Marco qui dit ne jamais avoir reçu d'invitation du collège. À voir si il y a eu une erreur de. Ouais, elle a alors, reçu. Souvenez-vous, ma chère collègue, que la dernière fois que Monique De Marco a dit « je n'ai rien reçu », il lui a été prouvé 5 minutes après qu'elle avait tout reçu. Et elle a pré-insulté son téléphone pendant 20 minutes. Ouais, ça fait 2 ans quand même. Oui, mais je crois que ça fait 2 ans qu'on l'attendait. Il faut qu'elle contacte directement le collège Victor Lee. Je rappelle que c'est le collège qui fait les convocations que reçoivent les élus. Et on va leur demander là-dessus. Oui. Voilà. Mais je crois que les adresses mail du Sénat ont des choses. Oui, monsieur Joliot. Très bien. On va noter tout ça. Mission locale des graves sur l'Assemblée générale conseil d'administration. Madame Dumont. La maison de retraite publique Carder conseil d'administration. C'est Madame De Marco. Très bien. Et la commission d'examen des contrats de concession. Madame Dumont. Très bien. Est-ce que ces délibérations, parce que encore une fois nous avions 2 groupes auparavant, il y en a 3, conviennent à Monsieur Joliot et Madame Kellier? Oui. Est-ce que Oui. Alors, c'est peut-être une erreur de ma part, mais on avait reçu le 25 juin 2020 la liste des délégations, mais ça date. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour? Délégations accordées par le maire? Oui, tout ce qu'on a, mais là, les représentations que l'on a. Ah non, des représentations. Jour, voilà, avec toutes les modifications que l'on a fait. Je ne sais pas si on en a reçu. Alors, le service juridique va regarder comment on répond à votre demande. Oui, d'accord. Merci. Les votes oui, c'est là. Pas de problématique, non. À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 6. Pôle d'échange multimodal de Talence la Médocine. Modification de la convention des financements des études de projet et de la réalisation. Alors, en fait, il s'agit d'une délibération qu'on a votée ensemble à l'unanimité le 12 septembre et pour laquelle la précision donc, du directeur régional de Nouvelle-Aquitaine de SNCF nous a demandé de changer les contrats auprès de la métropole et de nous en rajoutant donc un article sur le périmètre maîtrise d'ouvrage et la gestion des écarts, ce qui n'appelle pas de commentaires particuliers mais qui nécessite que l'on vote cet avenant pour le parallélisme des formes. Y a-t-il des remarques? Les abstentions? Eh bien, je vous remercie à l'unanimité. Délibération numéro 7. Rapporteur Monsieur Duarte, adjoint délégué à l'éducation, au périscolaire, au centre de loisirs,
à l'accueil de l'enfant et entretien des bâtiments communaux. Avance de subvention à la coopérative de l'école Georges Lasserre pour l'organisation d'un projet pédagogique sur l'année scolaire 2022-2023. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, comme vous le savez, l'école Georges Lasserre développe son propre projet pédagogique autour de la montagne. Ça concerne, vous avez tout dans la délibération, ça concerne 84 élèves qui vont partir à Gourette pour une durée de 5 jours. Les séjours sont de 5 jours. L'école nous a sollicité, la coopérative de l'école nous a sollicité pour qu'on les accompagne dans ce projet financièrement. Comme l'école ne partira pas en classe de découverte dans le dispositif mairie, je vous propose qu'on autorise Monsieur le maire à verser à l'école le montant de la subvention qu'elle aurait eue si elle était partie en classe de découverte. C'est très clair. Merci beaucoup. Les demandes de parole à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 8. Rapporteur Monsieur Gesta. Je vais reprendre ma casquette d'adjoint aux finances avec une certaine nostalgie. D'accord. Alors, produits communaux, année 2021 à 2022, créances éteintes. Je vous propose, comme d'habitude, donc je voudrais vraiment encore une fois excuser François qui est, donc comme Guillaume, parti à la Médoquine, donc qui vous propose donc d'éteindre les créances pour 294,78, ce qui est un montant très très bas, et on a quelques comparatifs avec d'autres villes. Nous avons un taux de recouvrement qui est très bon. Des remarques à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 9. Rapporteur, donc, monsieur le maire. Produits communaux, année 2016 à 2021, admission en non-valeur. Budget principal, budget des pompes funèbres. Comme il est indiqué, voici ce que je vous propose de ne plus passer donc en valeur active et donc en non-valeur pour un montant donc 4 704 euros, donc avec quelques éléments sur le budget principal et un élément pour le budget des pompes funèbres. J'espère que vous aurez remarqué, ça me fait penser à notre regretté collègue Arnaud qui demandait à chaque fois les détails, et bien que ces détails sont toujours maintenant dans les délibérations. Occasion d'avoir une pensée pour lui. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Délibération numéro 10. Rapporteur, monsieur le maire. Bail à construction. Résidence Jean Monnet, 25 rue Rémy Belléau. Concession au profit d'Aquitanis. Avec une pensée cette fois-ci pour un de mes prédécesseurs, Gérard Castanira, qui avait donc signé ce bail est par une délibération donc en date du 25 octobre 88. On parlait des choses qui durent quelques années, en voici un. Et donc, je vous propose d'appliquer tout simplement les conditions de ce bail que l'on ne peut évidemment pas modifier compte tenu de sa puissance juridique. Donc, et donc, de toucher un dernier loyer d'1 million de francs de l'époque, donc 152 449,01 €. Le contrat n'ayant pas prévu de mise à jour avec les indices, ce que je regrette amèrement et que j'ai demandé au service pour les 35 ans à venir, même s'ils ne sont plus là, de pouvoir ne plus reproduire ce genre de choses-là. Voilà. Alors, ce morceau d'histoire, quand même. Pas de remarques ? À l'unanimité ? Je vous remercie. Délibération numéro 11. Rapporteur, donc monsieur le maire, signature d'une convention de prise en charge des frais de déplacement d'installation d'éclairage public à l'occasion d'un chantier rue François Rabelais. Délibération classique qui permet, dans le cadre du projet de réhabilitation du lycée hôtelier, donc l'éclairage doit être déposé par le SDEG. Donc on se subroge, la commune sera derrière recréditée pour le montant de ces travaux qui s'élève à un peu plus de 13 000 euros. Des remarques ? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 12. Rapporteur Monsieur Bénard, adjoint délégué à la culture. Convention de partenaire entre la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde et Talence. Alors, c'est une délibération qui consiste, dans le cadre de la politique culturelle de la ville, de renforcer les actions du service culturel et aussi de pouvoir accéder à terme au label 100% éducation artistique et culturelle.
Donc il s'agit en fait de proposer des spectacles aux élèves, des rencontres avec des artistes, des ateliers, et tout ça étant présenté en fin d'année. Donc ce que je vous demande de voter, c'est d'approuver la convention et d'habiliter Monsieur le maire à signer toutes les pièces. Merci mon cher collègue. Des remarques ? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 13. Rapporteur Monsieur Bénard. Scène partenaire 2022. Signature d'un avenant à la convention cadre de coopération publique avec l'IDAC 2017-2020. Alors, il s'agit d'un avenant qui porte essentiellement sur la durée. Ce qu'on demande ici, c'est d'ajouter quelques mois à la convention qu'on a signée le 31 décembre 2022. Et d'aller, pardon, jusqu'au mois de décembre. D'accord, parfait. Des remarques ? Non, je vous remercie. Délibération numéro 14, convention de partenariat artistique entre la compagnie Christine Acid Project et Talence. Monsieur Bénard. Donc il s'agit à nouveau d'une convention. Donc je vous rappelle que la compagnie Christine Acid, c'est celle qui a été présentée à l'ouverture de la saison culturelle de l'année dernière et qui avait présenté à l'époque Souffle. Voilà, donc c'est une convention de partenariat entre la ville et cette compagnie. Cette convention appelle-t-elle des remarques de votre part ? Je n'en vois pas. Elle est donc adoptée comme les autres délibérations de ce conseil à l'unanimité, mes chers collègues. Délibération numéro 15. Rapporteur Madame Thomas Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines et à la qualité de vie de travail. Délibération de principe pour le recrutement d'agents remplaçants. Oui, mes chers collègues, afin de se mettre en conformité avec l'article 332-13 du Code général de la fonction publique, il convient de prendre une délibération de principe autorisant Monsieur le maire à recruter des agents remplaçants dans les cas que je vais vous citer, lorsqu'ils sont indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raison familiale, maximum 6 mois, lors d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emploi fonctionnaire ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emploi, lors d'un congé régulièrement accordé en application du Code de la fonction publique, ou un congé maternité ou pour adoption, congé paternité et congé de présence, notamment le congé parental, ou tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Une délibération donc qui nous permet d'appliquer la loi, tout simplement. Monsieur Bimboire. Pour bien comprendre le fonctionnement, ça veut dire que ça ne se faisait pas avant ? Avant, on faisait une délibération pour chaque remplacement. Là, l'idée, c'est d'avoir un principe cadre, conformément à la loi, et donc de pouvoir permettre, dans les cas qui sont évidemment cités par la loi, le recours au contractuel étant par nature dérogatoire. Des remarques ? Pas d'abstention, pas de vote contre. À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 16, toujours Madame Thomas Pitot. Recrutement d'un agent polyvalent administratif et technique à la restauration municipale. Donc là, suite au départ de l'agent titulaire du poste qui a bénéficié d'une mobilité interne, la collectivité en l'absence de candidat fonctionnaire vous propose le recrutement d'un agent contractuel et donc nous passons par une délibération. Des remarques ? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 17, reconduction d'une assistante administrative au Forum des arts et de la culture et au service culturel. Madame Pitot. Le 18 octobre 2021, nous avions, dans la perspective du départ à la retraite de l'agent titulaire du poste assurant les missions de secrétariat et administratif du forum, recruté un poste d'assistante administrative. Il s'agit ici de le reconduire.
Est-ce qu'il y a des remarques ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 18. Recrutement d'un gestionnaire de paix au sein des ressources humaines. Oui, en raison d'un départ qui aura lieu en décembre 2022 par voie de mutation, la collectivité doit recruter un agent afin de permettre de poursuivre l'activité du service des ressources humaines et répondre aux besoins des usagers et des agents. Il est donc proposé d'ouvrir ce poste à un contractuel ou à un fonctionnaire en fonction du meilleur candidat que nous trouverons. Des remarques ? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 19. Madame Pitot, modification de durée hebdomadaire de travail d'un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet à l'école municipale de musique et de danse. Vous en avez l'habitude des délibérations concernant l'école de musique ou l'école de danse. On essaie de s'adapter vraiment aux besoins des usagers. Donc, en raison d'une baisse de la fréquentation de la discipline danse libre dans les premiers niveaux au profit d'une évaluation croissante des effectifs vers d'autres esthétiques, l'école de musique se voit contrainte de diminuer d'une heure en accord avec l'agent actuel le volume horaire des cours. Passage de 11h15 à 10h15 hebdomadaire. Des remarques ? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 20, reconduction du poste d'assistante de conservation du patrimoine à la médiathèque. Madame Pitot. Oui, alors tout est dans l'objet de la délibération. Le 18 novembre 2021, en raison du départ à la retraite de l'agent, nous avions recruté sur ce poste une assistante de conservation du patrimoine contractuel. Et donc, il s'agit ici de reconduire ce poste. Les remarques ? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 21, recrutement d'un assistant ou assistante RH au sein des ressources humaines. Madame Pitot. Oui, en raison du départ d'un agent occupant ce poste, je vous en propose le remplacement. C'est bien une assistante. Madame Dumont. J'ai une question sur... Une assistante ou un assistant, c'est bien précisé sur la numéro 21, mais sur la numéro 22, un technicien pourrait-il être une technicienne ? Tout à fait. Alors, ma chère collègue, à chaque conseil municipal, on glisse toujours deux ou trois choses pour vous permettre. Non, oui, c'est vrai, vous avez raison. Technicien ou technicienne, en l'occurrence, le poste n'est même pas encore ouvert, donc on ne connaît absolument pas qui l'occupera. Mais vous serez très attentive à la présentation par notre collègue Madame Elbig, la présentation du rapport d'égalité femmes-hommes en lien avec Monsieur Hersch. Alors, pas opposé à l'écriture inclusive. Donc pour les postes précédents, la numéro 20, poste d'assistante. On aurait pu mettre assistant aussi. Alors, je rappelle que l'écriture inclusive est interdite dans les documents officiels. Non, mais j'ai compris. Mais je dis que vous avez raison. Donc, on ne va peut-être pas faire un roman là-dessus. Pourquoi pas ? Et donc, c'est insistant, parenthèse E, ça sera technicien, parenthèse E. Voilà. En l'occurrence, ça, c'est une assistante, parce qu'on connaît la personne. Technicien, non. Alors, il faut que je dise... Donc, les votes sur la 21, s'il vous plaît. Pour, à l'unanimité ? Merci. Et donc la 22. Délibération numéro 22, recrutement d'un technicien ou d'une technicienne énergie au sein de la direction des bâtiments et de la transition énergétique. Je ne vais pas, monsieur le maire, exposer lors de cette présentation du besoin qu'aujourd'hui nous rencontrons. Donc pour le recrutement d'un technicien ou une technicienne énergie au sein de notre collectivité. Et donc ce poste pourrait être, à défaut de fonctionnaire correspondant aux compétences attendues, être pourvu par un agent contractuel, d'où l'objet de la délibération. Alors ce technicien ou cette technicienne, Madame Ramy. Je ne vais pas revenir sur nos débats courtois de début de séance. Juste dans la mission principale, vous mettez suivi, je vois que ça, et mettre en place au dernier point. Moi, je pense qu'il n'y a pas que le suivi, il y a la mise en place, puisqu'on part quand même
Il y a des choses à mettre en place, suivi du décret tertiaire. Oui, ça y est, ça. Je pense que ça, il n'y a pas que le suivi, il y a la mise en place à mettre dans le dans les missions principales. Juste, c'était une remarque. J'ai pas compris votre remarque parce que c'est pas lui qui va mettre ou elle. De suivi. Oui, mais quand on met suivre les consommations énergétiques, une question. On est la 22. Oui, on est sur la bonne délibération, alors, mais j'ai pas compris votre remarque. Juste une question pour comprendre. Suivre les consommations énergétiques. Question. Est-ce que la ville de Talence a un outil, a quelque chose qui permet de suivre les consommations énergétiques? Ah, donc ça, c'est une autre question. Mais c'est pour ça, je vais mettre en place et suivre, plutôt que suivre. Mais vous prenez ou vous ne prenez pas, c'est juste une... D'ailleurs, c'est marqué mettre en place, d'ailleurs. Oui, tout à fait, si à la jamais... fin. Alors, ou alors vous mettez en premier, mettre en... Mais non, mais alors, ce que je vais... C'était parce que ça, c'était l'autre piège, c'était pour... voilà, c'était pas... C'est connu. Moi, ce que je peux vous proposer de faire par rapport à toutes les questions qui sont... C'est la fiche de poste qui a été rédigée par le directeur en charge des bâtiments. Donc, c'est peut-être qu'on puisse avoir... Il est là, en plus, mais je ne cite pas son nom. Peut-être avoir une discussion en off après le conseil municipal pour répondre à toutes les questions que tu pourrais ou vous pourriez vous poser sur ce poste-là. Vous avez vu un nouveau directeur qui... Ah non, il n'est pas nouveau. Enfin, il est arrivé le 1er août, mais enfin, ça dépend. Oui, il est là. Et il est où? Bonjour, monsieur. Et vous ne connaissez pas son nom? Ah si, je le connais, mais on ne donne pas le... Si, ah, oui, je l'ai même recruté, ma chère Isabelle. Mais... Et je suis fatiguée, mais je connais... C'est bizarre ce soir. Hein. Donc, je le connais bien. Enfin, je le connais bien. Il est arrivé le 1er août, en remplacement d'un directeur qui était déjà là, je le rappelle, et qui a rejoint une autre ville. Ah, là, tu connais plus l'ancien directeur, je le note. Donc, la ville de Mérignac, pour essaimer encore la bonne parole talencaise dans d'autres villes. Et donc, je te propose un poste là-dessus. Pardon ? Ah non, pas du tout, je vous rassure. Non, je ne vous dirai pas sur quoi je suis assis. Pardon ? Non. Je disais donc juste, pour répondre plus sérieusement à votre question, c'est d'aller voir donc le directeur pour expliquer le périmètre du poste et ce qu'il contient, etc. etc. D'accord ? On me pose une question, on a le droit d'avoir à faire un peu d'humour à partir du moment où c'est respectueux. Et je voudrais juste rappeler que je me suis engagé auprès de Denise à planter moins de jasmin, ce qui est un début de, un début de réponse. Alors, mis à part cette question que je trouve parfaitement légitime, mais encore une fois, c'est... Voilà, il n'y a pas d'autres remarques à l'unanimité. Je vous remercie. C'est bon ? Délibération numéro 23. Monsieur Fargue, adjoint délégué au sport. Convention de partenariat avec les collèges Henri Brisson et Victor Louis. Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention avec, comme son nom l'indique, le collège Henri Brisson et Victor Louis, afin que l'animation sportive de la ville puisse intervenir durant la pause méridienne, à savoir les mardis, jeudis et vendredis, de 12h à 14h, afin de proposer aux jeunes du collège des activités sportives. Merci mon cher collègue. Y a-t-il des remarques ? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 24. Monsieur Larose, conseiller municipal délégué à la jeunesse et relations avec les associations sportives. Convention de partenariat avec l'association de formation BAFA et VALT. Monsieur le maire, mes chers collègues, depuis 2009, le service jeunesse et vie étudiante propose chaque année un calendrier de différentes formations au BAFA pour les jeunes talencés. Afin d'aller plus loin dans la facilitation et l'accès à cette formation, il vous est proposé de passer une convention de partenariat avec l'association VALT, formalisant ainsi des nouvelles modalités du dispositif BAFA à Talence. La collectivité a notamment intégré dans la nouvelle convention, outre le coût négocié et différencié pour les jeunes talencés, des facilités et un échelonnement des règlements, la possibilité de règlement chaque vacances et l'accompagnement sur la mobilisation d'aide à la formation par la CAF, la région ou l'État, ainsi que la dispense d'avance de frais, car on sait que ce coût est un frein à la formation. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir habiliter Monsieur le maire à signer avec l'association VALT la convention en pièce jointe
étant précisé que cette dernière prendra effet à date de signature et jusqu'au 31 juillet 2023, avec possibilité d'être renouvelée deux fois. Valteux. Donc, y a-t-il des remarques, des commentaires? Je n'en vois pas. Je vais donc vous remercier, ce conseil municipal, une nouvelle fois, respectueux et constructif, et vous donner rendez-vous dans pas si longtemps que ça, dans un peu moins d'un mois, le lundi 14 novembre, lundi 14 novembre 2022 à 18h pour le prochain conseil municipal. Je vous remercie. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. La séance est levée. Bonne soirée.